Je veux te bénir et te rendre la gloire. Merci Hachem pour ce moment. Et merci de nous bénir. Merci de nous faire du bien au travers de ce programme. Gloire et honneur te soient rendus. C'est dans le nom de Yeshua le Mashiach, je prie. Amen. Amen. Ben, soyez tous bénis dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Amen. Voilà, soyez bénis. Nous sommes aujourd'hui pratiquement jeudi 13. Avril 2023. Nous bénissons le Seigneur pour cette rencontre. Comme vous le savez, je suis le prophète Joël Cresson, prophète de par mon ministère, parce qu'il y en a cinq ministères. Voilà. Le ministère, on appelle ça service. La définition d'un ministère, c'est un service. Il y a le ministère d'apôtre, il y a le ministère de pasteur pastoral, il y a le ministère d'évangéliste, il y a le ministère de docteur qui veut dire enseignant. Et le ministère prophétique. Voilà, donc on ne se lève pas un matin pour décider ou bien choisir un ministère. C'est une vocation. C'est Dieu qui décide qui doit le servir. On ne sert pas Dieu parce qu'on a envie de servir Dieu. Alors, tous ceux qui aspirent à servir Dieu, c'est une bonne chose, mais laissez Dieu vous appeler. Il y a des services dans l'église, celui qui veut être diacre, etc. Il aspire à être diacre, etc. Mais le ministère, c'est Dieu qui appelle. Voilà, c'est Dieu qui t'appelle. Le ministère, c'est vraiment quelque chose de trop sacré, parce que Dieu aussi est sacré. Donc, c'est pas moi qui me suis levé un matin pour dire je deviens prophète. Non, c'est Dieu qui m'a appelé au ministère prophétique. Voilà, donc c'est pas des titres honorifiques pour dire qu'on s'élève, qu'on devient prophète. Non, voilà, c'est Dieu. Mais en même temps, quand il t'appelle, il te spécialise, c'est ce qui est intéressant. Voilà, ça c'est très important. Et donc, beaucoup connaissent mon histoire. Peu sont ceux peut-être qui ne connaissent pas. Je suis issu de famille musulmane d'abord. Je me suis converti à la langue où j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Ça m'a permis, j'ai été victime grave de la sorcellerie. Je suis même rescapé, sauvé des œuvres de la sorcellerie. Ça m'a permis de faire des études théologiques, de m'engager dans la formation, voilà, et de mieux maîtriser la parole de Dieu. Parce que pour moi, pour servir Dieu, il faut d'abord étudier, connaître la parole de Dieu pour mieux le servir. Et ça m'a donné raison. Pour ceux qui disent que quand on sert Dieu, quand on s'engage dans le fait de Dieu, on n'a plus besoin des études. Écoutez-moi, le plus grand prophète, c'est un homme intellectuel. Le premier grand prophète fut Moïse, un homme intellectuel. Pourquoi Dieu l'a envoyé en Égypte le faire former? C'est lui qui a écrit, je l'ai lu, les Genèses, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Voilà. Hein? Voilà, Exode, merci. Les cinq livres. Voilà, c'est lui qui a écrit ça. Hein? Voilà, c'est lui qui a écrit. Donc, Dieu l'a fait former. En fait, Dieu a permis qu'il parte même dans le palais. Voilà, donc, l'écriture est née en Égypte, vous le savez très bien selon l'histoire. Donc, Moïse est un homme instruit. Un homme très instruit, il maîtrisait beaucoup de choses. Et Dieu va l'appeler, il va le ramener dans le désert. Voilà. Pendant 40 ans, le purer et le faire une rencontre, le consacrer et revenir sauver le peuple d'Israël. Donc, avoir la connaissance est très important. Voilà, avoir la connaissance, parce qu'il faut connaître Dieu pour mieux le servir. Donc, la théologie, c'est très important. Donc, nous, on ne s'est pas levé un matin pour se lancer dans le fait des ministères. On a plusieurs années dedans, pour ceux qui ne savent pas, plusieurs années de formation. On a appris beaucoup de choses à l'école théologique, surtout avoir une licence en théologie d'abord avant de venir servir Dieu. Mais en temps, le prophète Crassos savait très bien qu'il était appelé au ministère prophétique. C'est pour ça qu'il faut attendre le temps. Il faut attendre le temps de Dieu. Ne soyez pas trop zélés. Voilà, trop zélés parce que vous voyez un ministère en train de prospérer. Le ministère, là, c'est difficile hein, de servir Dieu. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a le dénigrement, il y a plein de mal de choses, tout ça. Et puis Dieu te prépare à le servir. Vous voyez, tout ce que le Seigneur a appelé, il les a préparés. Voilà, ça n'a pas été facile. Mais en même temps, Dieu m'a spécialisé dans un domaine. Qui est le ministère de la destruction des œuvres de la sorcellerie, évidemment. Et quand on sort de tout ça, ben Dieu et Hachem trouvent raison de me donner ce don-là, puisque moi j'ai été victime de la sorcellerie. Alors, donc, quand quelqu'un a la sorcellerie, c'est mieux, je peux mieux comprendre cette personne puis l'aider, d'accord? Mais je ne me suis pas levé un matin comme ça, c'est Dieu qui m'a consacré à ce ministère. Alors, le ministère d'abord, c'est quoi? Le ministère des prophètes, c'est la voyance, le prophète, c'est un guide spirituel. Si vous voulez un consultant, on peut le consulter pour avoir l'avis de Dieu par rapport
beaucoup de choses et tout ça, avoir la vie de Dieu. Les gens, ils pensent que quand c'est parce qu'on a échoué qu'on sert Dieu. Mais c'est une erreur. Ne pensez même pas à ça. Hein. C'est parce qu'on a échoué, c'est pas parce que les gens qui servent Dieu sont analphabètes. Non, c'est pas parce que les gens sont analphabètes. Ceux qui servent Dieu, nous sommes allés à l'école, nous autres. Nous avons une grande connaissance intellectuelle avant de servir Dieu. Et après, on a poursuivi. Moi, j'ai eu la connaissance en France de poursuivre encore des études en ressources humaines, en gestion d'entreprise et tout ça. C'est pour ça que j'ai des entreprises, bien sûr, parce que je suis allé à apprendre. Et moi, je t'encourage les gens, si l'occasion se présente, d'être formés, formez-vous. Ça, c'est très important, formez-vous. Mais le ministère prophétique, c'est spirituel. D'accord? C'est plus consultant. Désolé. Et Dieu vous parle. C'est-à-dire, Dieu se révèle à vous. Et Dieu, vous rentrez dans l'intimité de Dieu. Et Dieu vous utilise afin de pouvoir aider et orienter les gens. Aider et orienter les gens. Donc, le ministère, moi j'ai un don. Le don que j'ai, c'est le don puissant de discernement. Je pense que c'est comme ça que vous puissiez comprendre. Quand quelqu'un a la sorcellerie, tout de suite, j'ai des vibrations. Voilà, au niveau de ma tête, tout de suite. Ce n'est pas le regard de la personne qui me dit quelque chose, non. Il y a des sensations que je reçois tout de suite, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je fais un effort pour expliquer pour que vous puissiez comprendre. Pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe. Je ne suis pas obligé, mais il faut que je vous explique un peu. Donc, quand je suis en face de cette personne, tout de suite, j'ai des sensations et j'ai des vibrations. Voilà, au niveau de ma tête, ça commence tout de suite. Et donc, c'est le seul auquel je suis habitué, d'accord? Une fois ça commence à se faire, déjà, le visage de cette personne se positionne et je commence à lire la pensée de cette personne et je commence à comprendre beaucoup de choses. Et quand ça se positionne, ça veut dire terminé, ça veut dire qu'elle est dedans. Au fait, si l'homme a eu l'intelligence de créer des détecteurs de faux biais, bah, dites-vous que Dieu, il peut le faire. Si l'être humain peut faire l'appareil pour détecter les miniers, voilà, détecter un sol où il y a l'or, il y a des diamants, bah, Dieu peut le faire. C'est comme moi, je m'en vais quelque part tout de suite, il y a un fétiche qui a été enterré tout de suite à peut-être à 300 mètres. Je le sens tout de suite au niveau de mes pieds. À 300 mètres, je le sais. C'est ce qu'on appelle un don. Voilà, spirituel. Je précise très bien. Un don spirituel. Voilà. Vous pouvez croire ou vous pouvez ne pas croire, ça vous dit oui. Voilà, donc tout de suite, je le sens. Et je sais, je peux. Et plus j'avance, c'est comme mon esprit s'ouvrait et je voyais la profondeur et je peux vous dire exactement ce qui est là. Voilà, donc c'est un don. Voilà, je ne suis pas levé un matin, c'est un don. Et c'est comme ça la sorcellerie. Quand quelqu'un est là, la sorcellerie, j'espère tout de suite. Ce n'est pas le regard de la personne et ça, cette manière de parler. Pourquoi? Parce que c'est aussi un outil de travail. Puisque Dieu m'a affecté dans ce domaine-là. Il sait très bien que s'il ne me donne pas ça, vous savez que les sorciers, c'est des menteurs. On est d'accord avec ça? Amen. Amen. Et ils sont en conflit. Ils sont en conflit à la vérité. Ils sont en conflit. Ils sont en conflit avec la vérité. C'est-à-dire, eux, ils aiment bien mentir. Donc, ils sont en conflit avec la vérité. Voilà, donc, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas dire la vérité parce qu'on ne leur a pas pris ça, de dire la vérité. Donc, du coup, Dieu détecte ça. Et tout de suite, quand la personne... Plus la personne discute, plus sa vie se révèle à moi. Plus tu discutes, plus je vois. Si ton écran, ta pensée, ton visage, et c'est ce que tu as fait, c'est un don de Dieu. Voilà, c'est un don. Et heureusement. Heureusement quand Dieu m'a fait la grâce d'avoir ce don. Pourquoi? Parce que la sorcellerie, je l'explique. La sorcellerie, c'est pas moi qui l'ai inventé déjà. Et comme j'ai l'habitude d'expliquer la répétition et la pédagogie, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui l'ai créé. C'est pas créé pendant le prophète Crassus, ça existait déjà. Ça existait déjà. Et là, comme je vous disais, la définition veut dire le lanceur de sorts, celui qui détruit. Le sorcier, il détruit. Et c'est une loi que Dieu m'a donnée à Moïse, le premier prophète, bien sûr, dans la loi de Moïse, que même les sorciers ne laissaient pas progresser la sorcellerie. Ça, c'est une loi. Pour ceux qui ne savent pas, c'est écrit dans la Bible. Vous avez la version parole de vie, la Bible, hein? Lisez-moi ça, Exode 20, 17, 22, verset 18, 27, comme ça. Ça dépend de la version. Hein.
Quand c'est quelqu'un vous dit non, vous croyez à ça, la sorcellerie, dites au monsieur qui est sorti, ou à la femme qui elle-même est sortie. Donc, quelque chose qui n'existe pas, pourquoi on donne un nom à ça? Et puis tu nous dis on croit à ça. On croit à ça parce que c'est un nom. Non, c'est tellement simple et vrai. Aussi simple que ça. Bon, ça n'existe pas. Où ils ont fait pour avoir un nom? Ils ont donné ça, le nom là, où? Ils ont imaginé, ils ont dit sorcellerie. Mais le mot sorcellerie, ça n'existe qu'en français, ça, en français. Mais tu vas demander les différents ethniques ici, dans la salle, ici. Chacun a un nom dans sa langue, n'est-ce pas? Amen. Langue, amen. Amen. Nous, en béton du bougnon, quand tu dis à quelqu'un, c'est un bougnon, tout le monde le rire comme ça. Chacun sa main le rire. Bougnon. Quand on dit bougnon, tout le monde, chacun se cherche. Chacun ouvre ses yeux et vous dit, mais attends, l'image. Éric de me mettre dans la sauce graine, jumbré de temps, manger. Hein? Yakuba, c'est quoi? On appelle ça quoi, Yakuba? Dumain. C'est trop joli, dumain. C'est pour ça qu'il y a trop ça. Baïfoué. Baoulé, ça c'est un nom, hein? Baïfoué. C'est ça, non? Baïfoué. Baïfoué. Ça, vraiment, vous avez tous les noms, là. Baïfoué. Baïfoué. Quand tu dis à quelqu'un, c'est Baïfoué. Toi-même, là, tu commences à. Le baoulé commence à se mettre bien. Il se met bien. Baïfoué. On dit, c'est Baïfoué. Hein? Parce qu'il sait ce que Baïfoué fait. Sauce Guaguasou. Baïfoué fait ça, Guaguasou. Elle vient de l'homme. Il sait. Les Doula, les musulmans, les Bambala, on dit Souba. Donc vous pensez que les gens se sont levés comme ça dans leur langue maternelle, inventer un nom qui n'existe pas. Mais attendez. Ça existe. Aussi réel. Mais le problème, c'est que la sorcellerie, quand vous découvrez ce que ça fait, vous mettez dans le combat du prophète Kassou. Parce que la sorcellerie détruit. Je pèse bien mes mots, je reprends. Ça détruit. La sorcellerie a décimé les familles. Et vous voulez qu'on joue le sujet. Lui, il n'est pas que de la sorcellerie. Vous vous racontez des bêtises là? Des délinquants et des criminels qui en longueur de journée qui sont en train de tuer les gens. Vous ne pouvez pas qu'on parle de ça. Mais ça veut dire que quelque part, on est en train de donner, encourager des criminels à tuer. Dans chaque État, il y a ce qu'on appelle le ministère de la Sécurité et de la Défense, n'est-ce pas? Amen. Amen. Qui lutte contre le grand banditisme. Pourquoi dans chaque État, il y a toujours un ministère spécialisé dans le domaine de la défense et de la sécurité? Les policiers que vous voyez, les gendarmes, luttent contre la délinquance et les grands criminels. Ça, c'est sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, il existe la délinquance. Comment quelqu'un peut venir détruire ton argent? C'est une délinquance. Voler ton argent, voler ta chance, c'est la délinquance. Puis, venez te violer pendant que tu dors. Tu as l'impression que quelqu'un fait l'amour à toi et tu te lèves, tu es mouillé. Mais effectivement, ils ont abusé de toi la nuit. Mais c'est spirituel. On peut détruire ta destinée. Puis, de toute façon, il y a les crimes physiques. Il y a aussi les crimes spirituels. Peut-être qu'il ne sait pas, mais écoute ceux qui ont cette connaissance, parce qu'on n'est pas censé tout connaître. Donc, la sorcellerie, c'est spirituel. Or, on n'a pas qu'un monde physique, il y a un monde spirituel. Le monde dans lequel nous voyons physique, il y a un autre monde qui est spirituel. Et c'est le monde spirituel là qui commande notre monde spirituel, notre monde physique, le monde spirituel, bien sûr, qui commande notre monde physique. Pourquoi les gens parlent de la spiritualité? La spiritualité, c'est un autre monde invisible, mais rien.
C'est un monde qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais qui a des réalités qui existent. Donc, ils ont le pouvoir, ils ont ce pouvoir-là. Mais justement, ils ont un pouvoir surnaturel. Cette capacité de faire des voyages astrales, voyager ces yeux-là. Mais c'est au moins, dès qu'ils pensent aller à Paris, il est à Paris. Terminé. Nous, on prend l'avion à Abidjan, Paris, c'est 6 heures. Et c'est en 5 minutes. 5 minutes, c'est tout de suite, sont à Paris. Donc, en esprit, la distance n'existe pas. Second, quand tu penses tout de suite, je suis là, je pense à la Côte d'Ivoire, j'essaie. Mon esprit est bien en Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'esprit. En esprit. Ils sont en train de penser, c'est fini. Il fait voyage. Donc, il y a un monde, ne perdez pas ça de vue. Et puis, n'amenez pas des gens à dire que ça n'existe pas. Restez dans vos. Si vous êtes ignares, si vous êtes sorciers, si vous êtes des avocats du diable, ça, c'est vous qui voyez. Mais Dieu va vous juger un jour. Dieu va vous juger. Parce que même la Bible qui est là nous dit quoi? On y va. La Bible même qu'on dit la parole de Dieu. La Bible qui est la parole de Dieu là. Dans la Bible, là, c'est mentionné la sorcellerie. Et vous dites que ça n'existe pas. Donc vous doutez de la véracité de la parole de Dieu. C'est comme si vous dites que la Bible ment. Dieu mentait. Allons-y. Exemple, le chapitre 22, le verset 17. Ça, c'est la version pour préciser. C'est la version parole de vie. Voilà, parce qu'il y a plusieurs versions. Il y a Darby, il y a Luc II révisé, tout ça, Luc II chez Scofield, etc. Maintenant, ça, c'est la parole de vie. C'est la meilleure version déjà que Alliance Biblique a créée. Parce que chaque fois, parce que la Bible a été traduite en trois langues, si vous voulez. Le Nouveau Testament est traduit en grec et l'Ancien Testament en hébreu et en araméen. Donc, vous savez que la traduction au fur et à mesure, voilà, il y a différentes sortes. Parce que les gens, ils veulent comprendre souvent, quand vous lisez, quand vous faites des études, même vous allez très loin dans l'explication de certains mots hébraïques. J'ai des choses, vous dites même, j'ai des ratés. Par exemple, je vous donne un exemple en BT. Il y a des BT dans la salle, non? Amen. Lui-même qui a la Bible, c'est un bêté. Bon. Bénédiction. Comment on appelle bénédiction? Non. C'est. Voilà. Djoro, ça veut dire chance. Djoro, c'est chance. Vous êtes bêté ou vous êtes bêté de Divo? Ou vous êtes bêté d'Abidjan? Bénédiction, c'est New Palais. C'est New Palais, ça veut dire bénédiction. Mm-hmm. Or, en bété, New veut dire l'eau. Mm-hmm. Écoutez-moi très bien. Amen. Maintenant, quand on dit que tu es béni, comme New pas, ça veut dire que j'ai versé l'eau sur toi. Amen. Non, si on veut traduire ça en français, littéralement en français, et on va traduire ça en français, on dira, je vais verser l'eau, tu ne comprendras pas ça, hein. Amen. J'ai baissé l'eau, ça veut rien dire. Donc, c'est comme ça les traditions, vous comprenez? C'est Amen. Comme ça la tradition. Il y a des choses qu'on ne peut pas traduire. C'est pour cela qu'il y a des paroles qu'on ne peut pas traduire directement de l'hébreu en français. Ce sera difficile de comprendre nous-mêmes. Comme en bété, on dit mieux parler. Mieux parler. Par exemple, quand une femme voit ses menstrues, en doula, on dit quoi? Embêté, on dit quoi embêté? Les menstrues d'une femme, excusez-moi. Quand une femme voit ses menstrues, qu'est-ce qu'on dit? On dit elle a vu la lune. C'est pas ça? C'est ça, elle a vu la lune. Amen. Si tu veux traduire ça en français, tu vas dire elle a vu la lune. Ils vont te dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Non, pour que vous puissiez comprendre la linguistique, il y a des choses qu'on ne peut pas traduire. Vous comprenez? Amen. Parce qu'en matière de période, effectivement, c'est pendant cette période-là qu'il y a les femmes voient leur menstruation. Donc, c'est pour ça que dans notre langage, ce n'est pas que seulement qui est embêté. Hein.
même en Djoula, même en Yakuba, vous allez fouiller dans toutes les langues, quand la femme voit ses périodes, on dit lune. Toujours ressorti lune. Ça, c'est aussi un mystère que j'enseigne souvent, c'est lune. D'accord? Amen. Mais en français, les Français, ils ne disent pas lune. Ils disent la vie, c'est menstrue. Mm-hmm. Ou souvent, on dit que la vie, c'est règle. Elle en période. Vous comprenez? Ça, c'est en français. Donc, si on veut traduire, embêter, la personne a vu ses menstrues. Et embêter, on dit Kyo, ça veut dire qu'elle a vu lune. Ça, c'est embêter. Mm-hmm. Maintenant, quand on veut traduire en français, on dit la vie, c'est menstrues. Vous comprenez? Donc, quand on traduit, vous comprenez, souvent, ça perd le sens de certains mots. C'est pour ça que, par moment, il faut comprendre. Donc, Dieu dit quoi dans le livre? C'est pour ça qu'en hébreu, d'abord, il faut dire que la traduction française est partie de l'anglais. Est partie déjà de l'anglais. Il faut que je vous explique, hein, pour que vous puissiez comprendre. Moi, je suis chercheur, je poursuis mes recherches. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, vous pensez que c'est con. C'est vrai qu'on nous enseigne des choses, mais moi, je poursuis très loin. Les mots hébraïques, tout ça, c'est très important. Je te couvre dans la Bible, on dit, la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. C'est une erreur très grave. On dit, dans la vraie version grecque, la foi vient de ce qu'on a compris et de ce qu'on a compris de la parole. Donc, c'est bien différent. Entendre et comprendre. Tu peux attendre et puis ne pas comprendre ce qu'on dit, n'est-ce pas? Donc, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qu'on a besoin de comprendre. Donc, écoutez-moi très bien. Ce que vous dites, nous sommes allés à l'école, la Bible, on prend le temps d'étudier. Moi, je ne sais pas combien de fois, mais j'ai lu plus de 30 fois la Bible. Vous voyez là, plus de 30 fois. J'ai fait même des veillées de lecture pour comprendre la parole de Dieu. Peut-être que je peux mettre n'importe quoi, même un chapitre. Mais je vous encourage à lire la parole de Dieu. Oh, amen. Elle est beaucoup intéressante. Si tu es un débutant, il faut commencer à lire le Nouveau Testament. Lis ça, même si tu veux 10 fois, 20 fois. Et je te déconseille dans un premier temps l'Ancien Testament parce que tu ne comprendras pas. Mais au fur et à mesure, quand tu vas commencer à lire le Nouveau Testament et habitué à lire le Nouveau Testament, en commençant par les quatre évangiles, si tu veux, 10 fois les quatre évangiles, et puis après ça, tu progresses, tu comprendras plus tard l'importance de l'Ancien Testament. Bref, je ferme la parenthèse et puis le pasteur lit pour vous expliquer quelque chose. Exode 22, le verset 17. De la version parole de vie. Vous ne laisserez pas vivre une femme qui pratique la sorcellerie. Il dit, vous ne laisserez pas vivre. Ne laisserez pas vivre une femme qui pratique la sorcellerie. Bon, je vais expliquer ça. Hein. Je vous ai expliqué. Alors, je ne vous ai pas dit de prendre ma chaise pour dire, bon, la vie même dit, bon, ne laisse pas vivre. Hein. Non. On va découper ça, hein? On va prendre ma chette. Hein? Non. Dans la vraie version que nous on découvre, on dit vous ne devez pas laisser prospérer la sorcellerie. Prospérer la sorcellerie. Ça dit vous ne devez pas laisser avancer la sorcellerie. Quand vous découvrez ça quelque part, stoppez ça. Amen. Écoutez-moi très bien, stoppez ça. Amen. De telle sorte qu'il faut dévoiler, ça. C'est pour ça que j'aime bien ceux qui découvrent et qui veut impérativement être délivré de très bonnes choses. Parce que quand vous laissez ça, c'est comme un cancer, il évolue. Et vous pouvez plus être guéri de ça. Donc, la version veut dire qu'on ne laisserait pas prospérer. N'est-ce pas, la sorcellerie? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça voulait dire? La sorcellerie, vous voyez là, écoutez-moi très bien. Une fois, ça est quelque part. Écoutez-moi, hein? Une fois, ça est quelque part, c'est épidémique. Ça va peut-être vous choquer. Mais le sorcier va vouloir contaminer quelqu'un. Amen. Il va vouloir avoir une personne dans la maison. Il va pour contrôler. Parce qu'eux, ils travaillent avec le service de renseignement. Ils travaillent avec l'information. Si un sorcier vient dans ta maison, si l'enfant, malheureusement, les enfants sont les premières victimes. Parce que les enfants, ils voient ça comme de l'amusement. Donc la sorcellerie, là, une fois il initie l'enfant, de telle sorte qu'il est avec. Il est en complicité avec quelqu'un, membre de la maison, où il a tout comme information, et c'est la personne qui l'envoie sur le terrain. Parce que même pour te tuer, il y a quelqu'un qui est habilité à le faire en matière de sorcellerie. Il y a quelqu'un qui doit le faire. Voilà, quelqu'un qui le fait.
Donc, c'est la base de cette parole. Écoutez-moi bien, c'est la base de cette parole. L'Occident va s'appuyer pour combattre la sorcellerie d'une manière barbare. Je pense que je vous ai aidé à aller sur Google à chercher la chasse aux sorciers. J'espère que vous avez fait des recherches. Allez faire des recherches. Au 11e siècle, ça a commencé. 11, 12, 13, 14, 15, 16. La chasse aux sorciers s'est arrêtée au 17e siècle. C'est là que les gens ont réalisé qu'ils évoluaient. Quand ils ont commencé à combattre la sorcellerie, au 11e siècle, 12e siècle, au fur et à mesure, ils voient que c'était intéressant. Parce que là où on combattait la sorcellerie, l'évolution s'installait. Les gens prospéraient. Il y avait des choses qui évoluaient. Donc, ça les a motivés à combattre la sorcellerie. Mais malheureusement, ils ne font pas ça comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. L'histoire est là. Ils brûlaient les sorciers, on les tuait au bûcher. On les prenait, on les tuait. Avec leur confrérie, leur monde de confrérie. Leur monde de confrérie. On les tuait. Malheureusement. Malheureusement. Et au XVIIe siècle, ils ont constaté que, effectivement, André, il évoluait. Tout ce que les gens commençaient à faire, commençait à évoluer. Et c'est pour cela qu'ils ont baptisé le 18e siècle, le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc, le 18e siècle, c'est le siècle d'industrialisation de l'Europe. Donc, pour que l'Europe ou l'Occidentaux soit industrialisé aujourd'hui, il a fallu qu'on combatte la sorcellerie. Et je ne sais pas comment je vais expliquer ça aux gens dans quelle langue, mais c'est ce qui est vrai. Quand la révolution industrielle, c'est-à-dire que l'industrialisation de l'Europe, de l'Occident, est partie du fait qu'ils ont combattu la sorcellerie. C'est une chose vraie. Mais nous sommes intelligents parce que les Africains sont pas intelligents. Les gens sont très intelligents. Le petit Goulakier, Youssoufou, Fofana, lui n'est pas là à l'école de Mercedes, mais regardez, il fabrique moteur. Vous vous posez la question, comment il arrive? Le petit qui n'était pas là quand on fabriquait, il ne sait même pas écrire. Il ne sait même pas lire. Il n'est pas seulement Djoula. Annie, c'est vraiment. C'est ce qu'il connaît. Ne vous oubliez pas seulement Djoula. Un maillot de Kabato. Un seul bon beau frère. Mais, même à bout devant moteur, il te répasse sa propre. N'est-ce pas? Amen. Mais c'est ce qui est clair. L'intelligence, c'est la capacité de retenir. Et de faire la même chose, c'est soit nous envoie à l'école. L'intellect, la capacité de retenir. Ce sont plus quelqu'un intellectuel, il retient ce qu'on lui enseigne. Mais toi-même, la cour de sorcellerie, là, tu vas même là. Quand tu vas en classe, on met A, tu vois ça comme O. Parce que la nuit, le sorcier est venu. Le petit Niakouri, le petit Niakouri est venu boire ton cerveau comme des guerres. Le petit Niakouri. Il est venu sur toi, il a vu ton cerveau comme des gars. Tu te lèves matin, tu as tout oublié. C'est un grand signe déjà, mais qui prouve que tu as une agression de la sorcellerie. Le fait même d'oublier. Et quand vous dormez, que vous oubliez les rêves, priez Dieu pour que Dieu vous donne cette capacité de retenir les rêves. Parce que Dieu parle dans le rêve. J'enseigne ça au nom de la Jésus. Donc, la sorcellerie, vous voyez, et quand ils ont combattu la sorcellerie, effectivement, le potentiel qui est en eux, voilà, ils ont commencé à développer ça. À créer, inventer des choses. Et jusqu'à aujourd'hui. Mais l'Afrique ne s'est jamais mise dans le combat contre la sorcellerie. Et en pire, nos pasteurs, beaucoup n'en parlent pas. Notre problème, c'est sorcellerie. Et quand on parle de ça, non, vous accusez les gens. On n'accuse personne, monsieur et madame. Personne. Mais on vous parle d'une réalité. Ta vie peut basculer d'un moment à l'autre. On peut te détruire, on peut te anéantir. Et quand on parle de ça, vous pensez que on est en train de jouer, on accuse les gens, on est en train de plaisanter. Mais non de tout ça. Vous savez que moi, j'ai été déjà reçu deux fois à l'ONU, pour ceux qui savent.
Pas déjà. Je vous donne l'information de taille déjà. Je suis déjà allé à l'ONU deux fois. Les gens, ils luttent contre les crimes de guerre, d'accord, crimes contre l'humanité. J'ai dit, ben c'est intéressant. Génocide, il faut au moins tuer 50 personnes, c'est un génocide, hein? 50, c'est un génocide. J'ai dit, mais il y a des plus grands génocidaires qui sont spirituels, hein, bon? J'ai dit, mais quand quelqu'un tue une personne mystiquement, on peut appeler ça maître, oui. Ah, donc vous croyez à la mort mystique? Bien sûr. J'ai dit, mais c'est une vérité. Mais pourquoi vous ne prenez pas le temps de régler ce côté-là? Parce que c'est encore plus dangereux que les kalachnikovs, que vous voyez. C'est encore plus dangereux que les 1024, les trucs, les bombes atomiques. Ils m'ont regardé. J'ai dit, mais il y a un combat que vous devez mener contre ça. Et c'est ce que les gens ont fait en vous. Et là où la sorcellerie est combattue, mais la paix s'installe. Regardez là où il y a la sorcellerie dans les villages, aucun cas dans les régions, les gens ils mangent les cas. Malheureusement, ils aiment bien les gens qui évoluent. Ça, c'est pas la sorcellerie. La sorcellerie n'aime pas le bien. Vous pouvez ne pas aimer le prophète Krasso, je crois que tu vois. D'ailleurs, bien Dieu dit d'aimer ton prochain. Je m'en fous si tu m'aimes pas, Dieu m'aime déjà. Je m'en fous déjà. Dieu même me protège. Mais à cause de mon combat, les enfants du diable ne m'aiment pas. Tant mieux. Mais pour vous dire, tu peux ne pas m'aimer. Mais ce que je dis, ce n'est pas des conneries. C'est une vérité. Tu ne vois pas des choses qui sont rien. Un matin comme ça, tu peux faire un accident. Regardez les aveux. Ce n'est pas des mises en scène ce qui se passe. Parce que c'est des mises en scène, les gens se lèvent et rencontrent des blablabla. Non. Ce combat-là, d'autres ont mené ça sur d'autres cieux. D'autres ont mené ça sur d'autres cieux. Ils ont combattu la sorcellerie pour être développée. L'industrialisation de l'Occident est passée par la lutte contre la sorcellerie. Quelqu'un n'a qu'à venir me dire le contraire. Eux-mêmes, là, n'ont pas venu me dire ça. Il ne peut pas démentir ça. Il ne peut pas démentir. Puisque le siècle de lumière fut et de l'industrialisation. Le siècle de lumière fut le 18e siècle. Alors, pour qu'on arrive au 18e siècle, il y a eu un siècle. Où il y a eu des siècles. S'il y a eu une lumière, ça veut dire qu'il y a eu des ténèbres. Et pendant ces moments des ténèbres, il y a eu quoi? Mais il y a eu un combat, justement, un combat farouche contre la sorcellerie, la haute sorcellerie, la haute magie, le mysticisme. Je pense que, mais en s'appuyant sur la parole de Dieu. Et puis bon, ils sont rentrés dans un ciel glorieux, le ciel de lumière et de la révolution industrielle. Ils ont commencé à inventer. Vous pensez que, regardez les enfants qui prennent des boîtes, qui fabriquent les voitures, vous pensez que les gens, mais à un moment donné, quand les gens commencent à évoluer, quand on le remarque dans la famille où on l'a repéré, on le détruit. Malheureusement, la sorcellerie n'aime pas les bonnes choses. Et quand on parle de ça, vous pensez que nous, on entend de s'amuser. Non, mais on a du mal à supporter ça parce que les gens sont en train de dire, non, moi, je suis intellectuel, il ne pourra pas ça. Mais au contraire, tu n'es pas intellectuel parce que quelqu'un qui est intellectuel, il a un esprit développé, un esprit qui l'amène à écouter et à faire sa propre investigation. Tu te bases pas sur certaines choses. Toi, tu dis que la société n'existe pas. On va t'emmener dans un village. Toi, un petit Nyakuri. Un petit Nyakuri qui a fait une semaine sans manger viande. Il a fait jeûne. Ça fait une semaine, on parle Nyakuri. Puis on dit rester dans la maison. Quand tu vas sortir de là même, si tu as eu la chance, tu vas peut-être avoir les pieds. Tu vas voir les. Sinon, c'est sauce grecque. Hep, laquelle? On te met dedans. Donc la sorcellerie, ce n'est pas de l'amusement. C'est pour ça que malheureusement, nos lois africaines ne condamnent pas la pratique de la sorcellerie, malheureusement. Parce qu'on a copié tout sur l'Occident. C'est du copier-coller. Mais les Occidentaux ont leur réalité, nous avons nos réalités. Je ne dis pas aux gens forcément de les mettre en prison. Moi, j'étais l'homme de Dieu qui a combattu. Le fait qu'on envoie, pour ceux qui ne savent pas, j'ai enlevé les gens de la prison civile de Divo. Des sorciers condamnés. Parce que la loi nous dit on peut condamner une personne parce qu'elle a fait des aveux. Sinon, la pratique en tant que telle, la sorcellerie, dans nos lois n'existe pas. C'est pour ça que moi, je demande à nos députés de voter cette loi. Ça fait partie de nos réalités. Et maintenant aussi, des nations de lutter contre ça. Pas forcément, mais on peut les mettre aux arrêts et puis inviter les spécialistes comme nous
pour les délivrer. N'est-ce pas? On va les délivrer. Vous voulez un développement, vous arrivez à exclure, n'est-ce pas, le combat contre la sorcellerie. Mais comme le président, tu ne vas pas avancer déjà. Toi-même, le cadre de la région, tu n'avanceras pas. Parce qu'il y a des anti-développements qui sont là. Encore grave, pire. Ils tuent des gens. C'est des crimes, de grands chemins. Une seule personne peut tuer, il y a 3 000. Vous comprenez? C'est dangereux. Pour l'avenir déjà. Une seule personne peut tuer, il y a 3 000 personnes. Imaginez ceux qui ne sont pas venus à Divo, ou mais qui sont dans la nature, en train de faire des gâchis, troubler la paix des personnes, détruire la santé des gens, dégrader leur santé. Je ne suis pas de mettre le couteau dans la plaie, mais tu as une femme qui dit, chérie, elle te voit en chocophanie, elle te voit en cheval, ta chérie. Chérie, ça va, bisous. Elle dit, bon, c'est pas grave. La vie, là, chocophanie. Elle finit avec toi dans... Elle va avec toi partout. Elle va partout, au Canada. Elle va avec toi en Australie. Quand elle arrive en toi-même, là, tu es épuisé, tu ne sais même pas. La nuit, tu te lèves matin, c'est comme tu es fatigué. Tu as fait quoi la nuit? Toi, tu poses la question. Tu ne sais pas ce que tu as fait, mais tu as une fatigue extraordinaire. Tu n'arrives pas à comprendre. Ça veut dire que quelque part, ils ont joué ton âme. Ça va, les petits signes de fatigue. Quand vous vous réveillez la nuit, les petits signes de fatigue, c'est là où commence les premiers symptômes d'une maladie mystique qui va te prendre. Ça commence. La fatigue, l'oubli, les phénomènes bizarres qui marquent dans le corps, ça c'est des signes qui prouvent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc, nous autres, Dieu nous a mis là pour combattre. Moi, j'ai toujours dit aux gens, heureusement, ce n'est pas moi qui ai choisi ça, heureusement. Et qu'à partir de la chaîne YouTube qu'on a mis sur place, c'est Dieu qui a voulu, ça vous a ouvert l'esprit. Ceux qui regardent, ils retrouvent la vie dedans. Ah bon? Oui, ils retrouvent la vie dedans. Livrés. Je connais beaucoup de gens qui m'ont appelé, qui m'appellent pour être guéri, pour être délivré. Bon, au fait, des grands témoignages. J'ai seulement regardé tes vidéos, j'ai été guéri. Pendant que tu priais, j'ai seulement touché l'écran de la télévision. J'ai été libéré, je suis allé aux toilettes, j'ai senti des choses. Ça, c'est tout le temps. On m'appelle comme ça. Tout le temps. Sans que je ne sois en contact avec ces personnes. Mais tellement qu'il y a eu une fois en cette prière, j'ai été simplement guéri en regardant une de mes vidéos de prière. Vous voyez? Parce qu'on a foi quelque part, Dieu nous guérit. Dieu nous délivre. Donc la sorcellerie, là, c'est notre combat que nous menons. Et c'est le combat de tout le monde d'ailleurs. Parce que c'est une réalité. L'Africain a besoin d'un Dieu qui le protège. Si nous avons tout en Afrique, le potentiel est dans l'Afrique. On a tout en Afrique. Tu vas à l'université, tu as tous les diplômes, regarde-toi, tu es au chômage. Rien. Tu vas me dire non, il n'y a pas de boulot. Non, on te rend en néant. Tu mets tes propres enfants au monde et tu les détruis. Des balles, belles femmes, belles filles, et tu les envoies là. Tu les rends bizarres. Je quand même, elle s'est dit, bon. J'ai refusé des gens bizarres, j'ai fait comment? Un gars bizarre! Excusez-moi, j'ai l'air de cabine. Il vient et dit, ça fait rien. Toi-même, quand tu regardes ta soeur, le monsieur, là, c'est un gros cœur. Mais la prochaine, c'est dit quoi? Si je l'ai laissé, Fouzeni, il veut quoi? Parce qu'elle a besoin d'attendre la nuit, je t'aime. Tu veux quoi? Je t'aime. Hein? Elle a besoin d'attendre ça. Donc, quand tu regardes, tu sais que ça là, si ce n'est pas sorcellerie, la soeur ne peut pas marier. Si ce n'est pas sorcellerie, lui là. Ouais. Laissez les gens vivre leur vie. C'est ce qu'on vous demande. Vous les sorciers. Laissez les gens vivre leur vie. Chaque jour que Dieu fait, les gens sont en deuil. On en deuil les gens. Vous m'avez compris? Amen. Amen. On en deuil les gens, la sorcellerie en deuil.
Que Dieu nous aide. Hein? Amen. Donc, la sorcellerie, c'est un truc à combattre. Il faut justement combattre parce que c'est négatif. Voilà, c'est négatif. C'est un truc à combattre. Donc, ce n'est pas moi qui ai inventé. J'ai reçu un mandat de Dieu. Et donc, quand je suis en face d'un sorcier, d'ailleurs, même un sorcier me voit pas déjà. Ils le savent. Il y a été l'homme de Dieu qui a mené un combat terrible contre la sorcellerie en Côte d'Ivoire. Et dans le monde entier, je le suis toujours. Moi, il m'a dans le village, tout de suite dans le village. Tout de suite dans un village. Quand dès que je descends du village, je ferme tout leur aéroport spirituel. C'est-à-dire, je ferme tout. C'est un secret spirituel. Amen. Amen. Parce que si elle décolle, ils vont aller prendre renfort. Donc, je descends juste devant l'entrée du village, parce que ça, c'est des connaissances que vous devez avoir. La rentrée du village, c'est une porte. Vous voyez ça comme ça, hein? C'est une porte spirituelle aussi. C'est une porte d'entrée spirituelle. Il y a une autre porte à la sortie. Voilà, il y a une porte. Donc, il y a des paroles. Il y a les prières qu'on fait ici. Et puis après, tu vois, tu demandes la seconde porte de sortie. Tu fais ça. Et quand tu finis, la nuit, à l'entrée, au milieu du village, il y a une parole que tu proclames. Et c'est terminé. C'est-à-dire, il ne peut plus bouger. Ça, c'est intéressant. Amen. Donc, je les mets sous embargo spirituel. Je vous dis, vous ne sortez pas. Yes. Non, je suis le maréchal de la brigade anti-sorcier. Et puis, je lui ai dit, voici ma maison. Comme vous voulez, viande là. Vous voyez, viande cadeau. Venez. Voici viande. Viande même qui veut qu'on le mange. Comme vous voulez manger. Je les provoque. Oh, c'est piège. Tu vas venir manger hein, la brebis du Seigneur. Allez, toi, tu as courageux, quoi. Tu manges ces pécores du voisin, poulet, on casse tout. Pour manger, là. Pécores, on fait, on saute clôture. Quand tu vas vouloir sauter clôture, le maître va te dire, hé, hey! On ne touche pas à ça. La Bible dit qu'on ne touche pas à mes points. T'as compris? Amen. C'est terminé. C'est ça que Dieu, c'est vrai quand on venait à Divo, la seule chose qu'on fait d'abord, on vous fait l'onction d'huile pour détruire les géolocalisations. Parce qu'ils ont mis des choses sur vous, ils vous localisent partout où vous passez. Amen. Donc ils ont toutes les informations sur vous. C'est vous qui pensez, non, il ne faut pas dire, oh bien Nicolas, j'ai compris, c'est terminé. C'est qui d'avoir dit la venue qu'on a fait le jour. Ne lui dis pas, hein. Mais lui là, parce que je le vois là, dès que la nuit vient. Non, mon numéro là, beaucoup de gens ont ça, il va changer. Dès que tu vas, je ne dis pas, je n'ai pas de faire plus de gratuit. Dès que tu vas dans une maison téléphonique, la puce là, c'est lui-même qui choisit ça pour te donner le lieu. À l'esprit. Donc, ton numéro là, ça. La seule chose, c'est la protection de Dieu sur vous. Et puis, marchez selon Dieu. Quand vous vous engagez, sinon, ils vous maîtrisent. Ils ont une géolocalisation, ils vous maîtrisent. Voilà. Ils vous surveillent. Ils savent, ils sont au courant de tous vos mouvements. J'essaie de croire pas. Donc, quand je suis dans un village, c'est tout ça que je bloque tout de suite. Et puis, je détruis leur restaurant. Vous allez me dire comment il fait, mais je suis le prophète. Vous ne m'avez pas encore vu dans le village, c'est dans le village. Vous me voyez dans le village, mais j'arrive bientôt là, j'arrive très bientôt. Je suis en train d'organiser ma révolution. Voilà donc. J'ai envie d'attraper sorcier Yakuba. Pour les sorciers. Les Wépé, les Guéré, il y a déjà attrapé beaucoup de victimes. Les Avikam, les Alagian, les Atukuru. Bon, ça, on a fait beaucoup là-bas. Baoulé, on n'en parle pas. On a tous les temps. Voilà. Donc, on casse leur aéroport, on casse ses spirituels. Et il y a une action prophétique que je n'ai pas encore donnée aux gens. Mais il y a une action prophétique. Quand vous faites ça dans un village, sur 3 jours, tout sorcier meurt. Je vous dis, je vous promets. J'ai découvert ça
Ça fait six mois que Dieu m'a montré ça. Comment vous-même posez-vous la question, comment le cerveau humain a pu créer une bombe atomique? Qui leur a donné cette connaissance? Qui leur a donné la connaissance d'aller sur la Lune? La Lune, c'est dans les astres. Qui leur a donné de créer un fusée, d'aller savoir ce qui se passe? Mais si vous allez trouver, on dit quiconque cherche trouve, c'est ce que la Bible dit. Donc moi j'ai cherché, j'ai trouvé. Amen. Vous dormez dans vos églises, c'est ce qu'il dit au pasteur, dormez. Vous êtes la brise, marche, feu, marche. Il n'y a plus que ça. Moi j'ai découvert 300 armes spirituelles dans la Bible. Amen. Et quand tu les utilises, une arme a des effets. Vous comprenez? Donc la sorcellerie, on est en guerre contre eux. C'est une guerre, c'est une bataille. Quand ils sont dans la famille, frères des gens, c'est une bataille. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit d'avoir les armes offensives et défensives. Il faut être prêt. Une nation, ce qui fait la force d'une nation, c'est son armement. On est d'accord avec ça? Amen. C'est son armement. On dit celui qui aime la paix prépare la guerre. C'est pas fou. Et la Bible nous dit, il y a des versets bibliques que les gens ne vous enseignent pas. Pourtant, c'est là. 2 Corinthiens, le chapitre 6, verset 7. L'apôtre Paul lui d'avoir des armes sur nous, offensives et défensives. C'est ça qu'il faut avoir la connaissance. Regardez les chrétiens, on a l'impression que nous-mêmes, on n'a rien. Les sorciers jouent avec toi. Parce que tu n'as aucune connaissance. Et la Bible dit, le peuple de Dieu périt par faute de connaissance. Or, il y a des choses, il y a des agents prophétiques, vous voyez tout de suite. Quand vous posez dans une maison, si les sorciers, vous allez les sentir tout de suite. Il y a des territoires. C'est pour ça que, bon, un sorcier vient chez toi, tu dis des chrétiens, et puis il vit à l'aise. Et c'est plus tard qu'il se sait qu'il est chrétien. Ça veut dire que chez toi, je n'ai jamais eu la présence de Dieu. Bon, ainsi, quand Dieu est quelque part, c'est Satan peut vivre là-bas. Jamais. Mais c'est jamais, c'est la vérité. Mais le sorcier vient chez toi, il est à l'aise. Non. Toi, tu dois te remettre en cause pour dire, mais ça veut dire que le territoire où je suis, cette maison, ça veut dire qu'il y a un problème. Je prie que le Seigneur vous protège, que le Seigneur nous accorde beaucoup de grâce et beaucoup, surtout sa protection, et qu'il nous accorde cette délivrance. 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 7. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Par les armes offensives, hein, offensives et défensives, pour se défendre et pour attaquer. Donc, en réalité, on est dans un combat. Perpétuel combat, chaque jour, c'est un combat. Parce que puis me dit, malheur à la terre, la mer, le deuil va dénoncer. C'est une vérité. Je ne vous mets pas dans une psychose. Vous dites, non, toujours, il faut avoir peur. Non, il faut être prêt. Vous pensez que les gens qui vont payer les armes pour s'armer, là, les nations, là, parce que ces nations sont prêtes. Parce qu'elles sont convaincues qu'à un moment donné, il peut y avoir des ennemis qui vont attaquer. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on a créé un groupe tous les vendredis pour ceux qui veulent être enseignés. Allez-y sur le Zoom pour être enseigné. Nous, là-bas, nous enseignons beaucoup de choses. Nous apportons la connaissance spirituelle des choses de Dieu. Et moi-même, je sais que je suis un homme fiché S. Chez le diable. Le diable n'est pas mon affaire. C'est pour ça que je suis très prudent. Parce que moi, je dévoile tout. Voilà, je dévoile tout. Que le Seigneur vous protège. Amen. Voilà, qui vous protège. Contre vos ennemis, contre tous ceux qui se lient contre tous ceux qui veulent vous détruire. Amen. Que le Dieu d'Israël, le Dieu des Hébreux, qui a défendu Israël en Égypte, se souvienne de toi qui m'écoute maintenant. Amen. Et qui te protège. Amen. Que tes ennemis soient confondus, qu'ils confondent tous tes ennemis. Amen. Nous passons aux aveux, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien. Amen. D'accord. Alors, vous êtes à Divo pourquoi? On est à Divo parce que
les enfants pratiquent la sorcellerie. Donc on est venu pour leur délivrance. La dame, c'est qui? C'est moi leur mère. Ok. Et moi, je suis leur oncle. Comment vous l'avez su? Qu'est-ce qu'il dit, monsieur? Je suis leur oncle. Comment vous avez su? Bon, je suis parti gêner quelque part. Moi, je suis pasteur. Donc, j'ai pris gêne et moins de gêne. Ok. J'ai pris moins de gêne et quand okay. Je suis Donc, quand je suis revenu, alors c'est là que notre Seigneur a commencé à me révéler maintenant ce qui est sur leur vie. Beaucoup. Et la grande aussi, maintenant, sa vie est devenue bizarre à la maison. Parce qu'elle me faisait, c'est-à-dire, elle est la sirène. Elle venait se coucher avec moi. Donc, donc c'est dans ça là que notre Seigneur a commencé à me révéler. Et le Seigneur me montre qu'ils sont dans l'eau, ils jouent dans l'eau. Donc je commençais à voir que notre, quand je me lève, je commençais à voir maintenant que notre vraiment, là où les enfants se trouvent, c'est un monde, un autre monde. Donc quand je suis arrivé, d'abord c'est la maman qui m'a appelé que notre vient, quand elle est devenue bizarre à la maison. Donc quand je suis arrivé, c'est là que j'ai dit que non, je vais leur demander. Donc, moi, on m'avait appelé pour les frapper. Je leur ai dit que non, je ne dois pas frapper, mais il faut que je les demande. C'est dans ça que j'ai appelé la fille maintenant et puis on allait dans la chambre et je comptais à lui poser des questions. Et elle a compté maintenant à vouiller maintenant tout ce qu'elle faisait dans la maison. Et là, maintenant, elle a compté à dire qu'elle a imité maintenant sa soeur qui est là et encore aussi encore, il y a une la petite là. Et c'est celle-là que donc tu peux apporter la maison. Et c'est comme ça qu'on a su ça. Mais vous n'avez pas procédé à sa délivrance en tant que pasteur, c'est ça? Non. On allait d'abord, on allait dans un camp de prière. Non, je parle d'abord pas de vous, pasteur. Déjà, vous, à qui Dieu a parlé déjà dans un premier temps. Non. Vous n'avez pas procédé à la délivrance, c'est ça? J'ai prié sur elle. J'ai prié. Mais comme ce domaine-là, je ne maîtrise pas là trop et que je vois souvent. Vous avez des exercices sur les YouTube là. Moi, ça, c'est donc, voilà, donc c'est ça qui est. On ne peut pas venir avec vous. Ah, ok. Moi, je ne suis pas en train de vous attaquer. Hein. Je voulais savoir juste. Et vous avez dit ce que je voulais entendre. Vous avez compris que ben, vous avez essayé. Au fait, c'est ce que je voulais entendre. Voilà, oui. Vous avez quand même essayé. Oui. C'est ça qui est important. Voilà. On a quand même essayé, mais on n'a pas pu. Donc, pour les aider, je pense bien. Pour les aider, il faut les envoyer chez les spécialistes. Et puis, frapper un sorcier, ça n'apporte rien du tout. Voilà. On ne peut pas frapper quelqu'un pour pratiquer des sorcelleries. C'est une erreur très grave déjà. Voilà. D'accord. Madame, c'est vos enfants, vous avez dit? Oui, ce sont mes enfants. J'ai eu 7 enfants, mais il y a 6 qui sont là. Et celle-là, elle est la 3e. Maintenant, elle est née au moment où on était au Seigneur. Les deux autres là n'étaient pas au Seigneur. C'est elle est née au moment où on s'est converti à l'église évangélique. Donc c'est elle maintenant, par mon petit frère, quand elle a fini d'avouer, parce qu'à ce moment on ne savait pas. Au moment j'ai dit, non, quand elle l'a frappée là, je ne savais pas qu'elle pratiquait la sorcellerie. Pourquoi? Elle s'en va à l'école, elle vient tardivement. On connaît leur elle prend crédit là-bas, on rembourse. C'est ça maintenant, j'ai dit que si c'est ça, viens m'aider à la frapper. Donc, c'est quand il est venu maintenant, il dit que ce qu'elle fait là, ce n'est pas d'elle-même, mais que moi, je vais la demander à deux. C'est là, ils sont partis maintenant. Et devant nous maintenant, elle est venue dire ce qu'elle a dit à son oncle là-bas. Donc, c'est pour cela, comme on a vu une chose, comme on appelle sur Face là, les numéros là. On a décidé, comme c'est les congés là, de venir ici en même temps avec eux. À quoi ils sont là. Ok, maintenant je comprends. Au fait, je voulais savoir déjà les motivations, c'est qui vous motivait, quelles sont les démarches que vous avez menées pour être divin. Ok. Alors, donc vous avez votre accord, vous êtes d'accord qu'on leur arrache les aveux. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Je suis d'accord avec ça. Très bien. Oui, oui. D'accord, ça. Oh, ok. Et comment elle t'appelle déjà, celle qui en. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ombe Anne Esther.
Estelle, ça va? Oui, ça va. Comment tu t'appelles? Tout ton nom, c'est quoi? C'est Ongwe Anne Estelle. Alors, qu'est-ce que tu as? Je suis sorcière. Alors, il faut desserrer ta mine parce qu'on n'est pas en guerre déjà. Hein? Alors, qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux ma délivrance. Tu es sûr? Oui. Alors, je t'informe que je suis le prophète Crasso, je suis le maréchal de cette brigade anti-sorcier. Et puis, ça va être ton accord. Hein? Si tu veux, on pourra te délivrer. On ne te forcera pas. Je t'en. Déjà que. Est-ce que tu es prête à avouer? Oui, papa. Tu es sûr? Oui. D'accord. Alors, je t'écoute. Comment tu es devenue sorcière? C'est ma tante, la grande soeur de mon papa, qui m'a initiée à la sorcellerie. C'était pendant la crise, elle est venue chez nous. Après, elle m'a apporté une nourriture, c'était pauvre. Elle m'a donné de manger. J'ai mangé. Mais la nuit qui a suivi, elle est venue, elle m'a appelée, puis j'ai répondu. Elle est devenue, elle va partir. Puis elle est suivie, où elle partait. Maintenant, arrivée là-bas, j'ai vu plusieurs personnes, c'est des femmes. Et puis elles aussi, je les connaissais. Et elles sont de ma famille. Et puis elles, toutes m'ont dit bonne arrivée. J'ai dit merci. Et puis elle m'a donné du sang avec la viande de l'homme de manger. D'accord. Tu dis, elle est venue te chercher. C'est comment? Physiquement, spirituellement, tu es allé où? Je dormais, c'était la nuit, je dormais. Puis elle m'a appelé. Puis non, j'aime bien les détails. Elle t'a appelé comment? Elle a crié mon nom. Elle a dit Anne Esther, Anne Esther. Puis j'ai répondu. Okay. Maintenant, mon âme est sortie de mon corps. Il a vu que mon corps était couché. Et puis mon esprit est sorti. Mm. Puis elle est suivie, on est parti ensemble. Maintenant, quand elle est partie dans le monde où elle était, il y avait plusieurs dames. Et puis les dames, je les connaissais, elles étaient de ma famille. Elles sont de ma famille, je les connaissais. Et tout le monde m'a dit bonne arrivée, elles souriaient. Elles étaient autour d'une canarie. Elles étaient autour d'un canari. Elles m'ont dit bonne arrivée, elles m'ont dit merci. Et puis elle m'a donné de la viande avec du sang, de manger, de boire. J'ai pris à manger, puis j'ai bu. Maintenant, mon cœur a changé, mon cœur a mis un autre cœur. Et bien, elles m'ont montré des images concernant ma famille. Elles m'ont dit accueillez ma famille qui sont là, qu'ils ne m'aiment pas, qu'ils sont contre moi, qu'ils me font travailler à la maison comme une esclave. Elles m'ont mandaté de partir contre ma famille pour détruire la famille, la vie de ma famille. Maintenant, la nourriture qu'elles m'ont donnée, elles m'ont dit de rembourser la nourriture avec un autre cher. Moi, j'ai décidé de donner mon petit frère en retour. J'ai tué en empoisonnant. La première victime, c'est comment tu as fait? Je l'ai empoisonné. Et elles m'ont donné un pouvoir. Hein? Je l'ai empoisonné. Je n'ai pas compris. Et je l'ai empoisonné. Comment? Elles m'ont donné un pouvoir. Je peux me faire un demi-poisson. Maintenant, les écailles, là, j'ai pris et puis mis dans sa nourriture. Il a mangé. Mais quand les écailles sont retournées dans son ventre, ils sont transformés en piquant ou perforés ses intestins. Comment ça? Vous pouvez m'expliquer? Les écailles sont retournées dans sa nourriture. Quand il a mangé, c'est comme un poison. Donc, quand il a mangé, ça a perforé ses intestins. C'est qui ça? Mon petit frère. Ton petit frère? Oui. Mais bon. Non, ça a perforé ses intestins. Ça a trouillé ses intestins. La nuit qui a suivi, il a commencé à pleurer pour lui pour dire que ça son mot qui fait mal. Il a commencé à vomir du sang. Donc, ils sont partis avec lui à l'hôpital. Il est retombé dans le coma. Et puis, moi, j'étais là. Puis, j'ai appelé son âme trois fois. J'ai dit son nom trois fois. Puis, son âme a quitté son corps. Puis je suis partie avec son âme dans le monde associé. Je l'ai transformé en mouton pour l'égorger et le manger. C'est dans ça, quand je l'ai égorgé dans le monde associé, j'ai mouillé son cœur et sa tête. Et j'ai bu son sang. Puis son visage dans le monde physique, il est mort.
C'est votre enfant, madame? Oui, oui, c'est mon enfant. Vous pouvez nous expliquer déjà un peu bon, comment il est mort? C'était janvier. Ma belle-sœur, donc elle parle d'elle, nous a invités chez elle à la maison. En ce moment, leur papa était parti au Mali. Donc, quand j'ai dit, je vais avertir leur papa pour dire que ah, on s'en fêtait chez sa grand-sœur, les enfants, ils ont crié. En ce moment, celle-là n'était pas encore née. Donc, c'est elle qui était là avec l'autre, les petits et les grands. Maintenant, elles ont crié que non, si on te dit à ah, donc, papa, donc ça date, hein, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Ok. Ok. C'était pendant la crise. Hein. Ok. 2011, 2010. Donc, c'est okay. En ce moment maintenant. Elles ont dit que non, il ne faut pas dire qu'on ne va pas durer là-bas, c'est pour 2 jours seulement. Et j'ai après 1er janvier, vers les 16h, je les ai ramassés. On est parti faire la fête. Lorsqu'on est arrivé là-bas, j'ai dit, bon, comme on n'est pas vite venu, on va dormir ici. Et puis le lendemain, on va rentrer à la maison. Dès qu'on est arrivé là, manger que ma belle-sœur a préparé pour envoyer là. Elle a déposé, par exemple, son fils mangeait avec son neveu. Ils étaient là manger. Donc, nous, on a pris les cuisses de poulet bissard. Donc, manger là, quand elle a déposé, j'ai dit, je ne mange plus. Comment est-ce rassasié? À cause de jus, j'ai bu là. Et elle, ma belle-sœur est venue, elle a servi une nourriture là pour le petit, plus elle. Donc, quand elle est venue, elle a mis une cuillère. Elle dit, c'est pas doux, je m'en vais danser. Elle est partie danser. Et c'est lui qui a mangé la nourriture. Dès qu'il a fini de manger, il dansait un peu. Après, il est venu, il dit, sa mâchoire lui fait mal. Maman mia. Il dit, sa mâchoire lui fait mal. Après encore, jusqu'à, il dit, c'est sa dent qui lui fait mal. Comme on a dormi là-bas le lendemain, il dit qu'il a envie de vomir. C'est ça, il dit que, ah, tu as envie de vomir là. En même temps, ma belle-sœur, elle dit, elle n'attend pas, mais elle est restée à la cuisine là-bas. Elle dit, non, c'est qu'elle qu'il a mangé là, c'est lui là qui fait qu'il a envie de vomir. Donc, si elle m'en vais au marché, elle paye citron pour envoyer. Lorsqu'elle allait au marché, elle dit qu'elle a oublié citron. Quand elle est venue, je demande citron. Elle dit qu'elle a oublié citron. Elle n'a pas payé. J'ai attrapé une main du petit. Et puis, lui et moi, on allait au marché, elle payait du citron. Je suis venue. En même temps, elle dit donne-moi citron. J'ai coupé. J'ai mis dans sa main. Elle a coupé. Et l'enfant a bu jus de citron là. Lorsqu'il a fini de boire jus de citron là, elle est venue le prendre pour aller le laver. Elle n'a jamais lavé les bébés que je mets au monde. Mais ce jour-là, elle a pris soin du bébé. Là. Moi, je ne savais et pas. La, et l'enfant avait quel âge? Il avait 7 ans. Il était au okay. CP2. Donc, elle a fini de le laver. Et puis maintenant, elle est venue le déposer. Vers les 16 heures, j'ai dit, ah, on va rentrer. Lorsqu'on est monté dans Baka, je voulais confier Baka au Seigneur. En même temps, l'enfant me dit, maman, il faut beaucoup prier. Je n'ai pas compris. Wow. Ce que ça veut dire. On est arrivé à la maison, il regardait la télévision, il était couché au salon vers les 23h là. En même temps, il s'est réveillé en sursaut, il a commencé à pleurer fortement et il a fermé les yeux. Donc, j'ai essayé de le taper pour dire que réveille-toi, Eli, y a quoi. En même temps, chose, comment on appelle, il a commencé à vomir le sang. On est allé dans Mama mia. La clinique. Partout jusqu'à chi de trèche ville d'abord. Ça veut dire qu'on a parcouru à Bobo là, tous les chi là derrière, tous les hôpitaux. On dit il n'y a pas place. Jusqu'à c'est à Cocody on est allé maintenant. À Cocody on dit aussi il n'y a pas place. C'est à trèche ville maintenant on est allé. Il est rentré dans le coma. On est resté là-bas. Le lendemain, il est mort. Yako. Maintenant, je t'écoute la suite. Donc, quand il est mort, ma belle-sœur est venue à l'hôpital là-bas. On est rentré à la maison. Donc, quand on est rentré à la maison, puisque c'est comme maintenant, elle est la dernière maintenant. En ce moment, je n'avais pas mis. Celle-là, tu étais là, non? Elle était bébé. En ce moment-là. Elle n'avait pas encore initié à la sorcellerie, elle était bébé dans ma main. Donc, on est rentré à la maison et c'est comme ça, son papa est venu. Je ne savais pas quoi dire à son papa. On l'a appelé là-bas pour dire l'enfant est mort. En temps, il avait causé à nous à la veille et on appelle vidéo à tous les enfants. Donc, vraiment, ça n'a pas été facile.
Les gens de l'église disaient que c'est moi qui suis allé vendre l'enfant là à la sorcellerie, c'est moi qui ai tué l'enfant là. Les gens de l'église. Les gens de l'église. Et les gens de l'église, elle a cité aussi d'autres personnes dedans qui étaient à la base. Alors, vous avez quelle responsabilité dans l'église? Bon, j'étais dans l'intercession, après, j'étais dans la famille. Au niveau du mariage, quand il y a les mariages, c'est nous, on va voir les parents d'abord pour faire comment la dot va se passer ou bien comment le mariage va se passer. C'est dedans que j'étais. Ok. Voilà, je vais l'écouter. La suite de tes aveux. La suite, c'était l'enfant de ma tante. Bienvenue, la petite soeur de ma maman. C'était un enfant, il avait 2 ans. Lui aussi, je l'ai tué par l'empoisonnement. Ils étaient venus chez moi à la maison. Puis j'ai vu l'enfant. Donc quand j'ai vu l'enfant, c'est moi qui lui donnais la nourriture. Pendant ce temps, je lui donnais la nourriture, j'ai craché de la nourriture. Pour envoûter la nourriture. Le défunt en question. Le petit qui est mort en question, qu'en fait. Non, un autre. C'est un autre. Et puis il a craché de la nourriture. Puis je lui donnais la nourriture. La nuit qui a suivi, il s'appelait Ange. J'ai appelé son nom 2 fois. Puis c'est parti avec, et 3 fois. Puis je suis parti avec lui dans le monde de la sorcellerie. Il est transformé en poulet. Et je l'ai gorgé, j'ai mouillé le cœur, il a bu le sang. On suit tes aveux. Maintenant, la troisième personne, c'est elle. Aussi, elle est enceinte. Non, ça, c'est une personne qui est morte, déjà le petit. Et donc, je vais parler de la deuxième personne, c'est qui? C'est la deuxième personne qui parlait, le fils de ma tante. Donc, on n'a pas encore fini le premier. Moi, je ne suis pas encore, je n'ai pas critiqué le premier. C'est le premier, là, ton frère, la question que tu as livré. Oui. Comment c'est passé? C'est vrai que tu as donné. C'est toi qui l'as empoisonné, tu as dit quoi? Parce que là, je n'ai pas bien saisi. Et c'est moi qui l'ai empoisonné. Comment? Il a mis les écailles de poisson, il a mis les écailles de ma queue dans la nourriture. Et les écailles, quoi? Écailles de poisson dans la nourriture. Et c'était comme un poison. Il a mis dans la nourriture. Donc, quand il a mis dans la nourriture, quand il a mangé, ça a perforé ses espèces. Tu savais que c'était ton frère? Oui. Et tu as eu le courage de pouvoir le tuer? Ok, vas-y. Et puis ça a perforé ses intestins. Maintenant, quand ça a perforé ses intestins, elle aussi, quand elle a pris le citron parti de couper, elle a mis une poudre noire sur le citron pour qu'elle puisse boire, pour augmenter encore la douleur. Oh, la deuxième personne? Et le fils de ma tante. Et quand l'enfant est mort, tu n'as pas dit à tes parents que tu étais à la base? Non. Pourquoi? Et si j'avais dit, je croyais qu'ils allaient me frapper. Ils m'ont dit, je n'ai pas dit. Elle m'a dit, je n'ai pas dit. Alors, j'écoute. La deuxième personne, c'est le fils de ma tante. La petite soeur de ma maman. C'était un enfant, il avait 2 ans. Maintenant, en ce moment, elle était chez nous à la maison. Et puis, c'est quelle maman? L'enfant encore de ta mère? Non, le fils de ma tante, la petite soeur de ma maman. Ah. Ils étaient chez nous à la maison. Et c'est moi qui donnais la nourriture à l'enfant. Maintenant, en donnant la nourriture à l'enfant, j'ai craché dans la nourriture. Pour empoisonner la nourriture. Tu aimes bien tuer les enfants, hein? Tu aimes bien tuer les innocents, les enfants. Allons-y. Il a caché dans la nourriture. Maintenant, quand il a caché dans la nourriture, il lui donnait la nourriture, il lui donnait. Maintenant, la nuit qui a suivi, je lui ai parlé de le monde de la société. Quand je suis partie, j'ai appelé son nom 3 fois, puis il s'appelait Ange. J'ai appelé son nom 3 fois et son âme est venue à moi. Je suis partie avec lui, j'ai transformé un poulet, je l'ai égorgé, j'ai mangé le cœur et j'ai bu son sang. Maintenant, le lendemain, sa maman a vu que l'enfant était malade, il est parti avec lui à l'hôpital. Et puis c'est là-bas, il est mort.
Ok, on suit. Hein. Esclave, il est mort. Maintenant, la troisième personne, c'est toi, le conseil facile, elle me met ton signe. Et puis, j'ai couché avec elle. Nous sommes sommeil. Je suis chez elle à la maison. Et j'ai couché avec elle. Maintenant, quand j'ai couché avec elle, nous sommes votre téléphone était là-bas aussi. En même temps, j'ai tué l'enfant et je lui ai donné fibrom pour ne plus qu'elle puisse enfanter. T'as donné fibrom en qui? À la petite soeur de ma maman. J'écoute. Hein. Maintenant, c'est la vie de mon grand frère que j'ai gâtée. En prenant son âme, père de le monde spirituel, pour attacher son âme avec une chaîne, pour gâter sa vie, pour ne pas qu'il réussisse, pour qu'il soit misérable. Dans la vraie vie, c'est un brouteur, il fume, il se promène, il ne va pas à l'église. Quand on l'appelle partir à l'église, je l'assoupis avec une poudre noire, un poudre noir, pour ne pas qu'il puisse se réveiller. Mais tu as dit une poudre, tu dis un encore. Ah. Toi, tu es en conflit avec le français. Hein. Tu as dit une. Ça ne suffit pas. Hein. C'est un qui est bon. Tu aimes trop le masculin. Et une d'après, c'était. Allons-y. Maintenant, quand on l'appelle Patti à l'église, je l'assoupis avec une poudre noire pour ne pas qu'il puisse se réveiller. Il reste au lit. Quand il est aussi à l'église, on vient. Il fait inventer des choses et puis il reste là. Il se promène de partout. Il devait passer un concours de gendarmerie et je l'ai su. Maintenant, quand j'ai su, je suis partie de le monde de la sorcinerie. J'ai effacé sa mémoire avec la poudre. J'ai soufflé la poudre sur son esprit, puis ça a effacé toute sa mémoire. Donc, quand il est parti, lors du concours, quand il est parti, il a oublié, il a tout oublié. Donc, quand il est rentré à la maison, j'ai vu sa feuille de brouillon et j'ai vu que c'est même pas écrit être. Donc, j'ai commencé à me moquer de lui. Et puis, quand le résultat est sorti, ah, attends, tu te manques des gens aussi. Oui, vas-y. Quand le roster est sorti, il a échoué à ça. Il a échoué à son concours de jeunes amérus. Ah, vous qui attendez les aveux de la jeune fille là, vous avez compris déjà tout ce que j'ai dit dans l'enseignement tout à l'heure. Vous voyez comment la sorcellerie fait des désastres. Détruit dans la famille. Vous voyez comment la sorcellerie est. Vous voyez, pendant qu'elle est en train de parler, je l'ai déjà signifié ça dans l'exhortation de l'enseignement. Regardez comment déjà la sorcellerie peut pousser une personne à détruire ses proches. Ses proches. Donc la sorcellerie est négative. Et c'est pour ça qu'il faut combattre la sorcellerie. Les gens, ils ne savent pas d'où vient leur problème, mais pourtant leur problème, c'est juste à côté. Et la Bible dit que vous aurez pour ennemi les hommes de votre maison. Donc, quand un sorcier dans la famille, mais il est d'abord celui qui combat la destinée des gens dans la famille. C'est pour ça que la sorcière d'abord familiale. Ça va commencer par la famille. Ok. Tu as tué combien de personnes depuis que tu es sorcier? J'ai tué 353 personnes. Pardon? 353 personnes. 353 personnes. Alors, comment tu sais exactement le nombre? Comment tu essaies de savoir exactement le nom des gens qui tiennent mémoire pour savoir exactement comment le nom des gens? Le nom de la sorcellerie, j'ai un cahier là-bas pour écrire le nom des personnes que j'ai tuées à chaque fois. Parce que si je tue 100 personnes, on me demande des grades. Oh, tu en as déjà tué 300, ça veut dire que tu as eu plus de 3 grades déjà. Oui. Tu as déjà 3 grades. Excusez-moi, je suis tellement sollicité. Quand j'ai mon téléphone net. Oh, maman mia. Ouais. Et ça, tu l'as caché à tout le monde. Je vais dire, tu as eu la sorcellerie, mais ça, il partait à l'église, non? Mm-hmm. Tu partais à l'église avec maman et papa, n'est-ce pas? Oui. Alors. Donc, tu n'avais pas eu le courage de l'expliquer quand même à un moment. Pour qu'on puisse quand même t'aider.
Pourquoi? Bon, on arrivera là-dessus tout de suite. Tu as tué des gens. Et comment tu arrives à tuer des gens, tes victimes? Dans la famille, mais tu as tué combien? La famille, c'est trois personnes. La troisième personne, c'est qui? C'était l'enfant de ma tante. Lui, c'était son phone. Quand j'ai couché avec elle, ça a tué l'enfant. Et ça, même temps, tu arrives à coucher avec une femme? Oui. Pourtant, tu as un sexe féminin. Oui. Alors, comment ça se passe? Ma main droite est pour taper sur mon côté trois fois. Et je me transforme en un homme. Quel moment? Tu deviens un homme en quel moment? Quand je suis prête à coucher avec une femme, je m'arrête sur elle. La personne est là, elle m'arrête sur elle, puis je tape mon côté trois fois. Mon côté droit trois fois et je deviens un homme. Il prend l'apparence d'un homme. Et c'est pourquoi? Quand tu deviens un homme et quand tu vas coucher avec une femme, c'est pour atteindre quoi? C'est pour faire quoi au juste? Il fait ça pour détruire sa vie. Donc, quand tu as les rapports sexuels avec ta victime, qui est une femme, bien sûr, tu détruis sa vie. Qu'est-ce que tu détruis dans la vie de cette dame, cette personne? Bon. Je détruis tout ce que la personne devait avoir demain. Si la personne devait voyager, je bloque son voyage quand je couche avec cette personne. Et je transmets des maladies de ça aussi. D'accord. Okay. Alors, on va parler de gens que tu as détruits. On veut savoir, tes proches là, tu as détruit qui et qui? Mon grand frère, le travail de mon papa. Il t'a déjà dit ton grand frère? Oui. Tu l'as détruit, tu as détruit son examen, il devait sortir gendarme, tu as détruit. Tu te l'as rendu alcoolique, il fume, c'est ça? Oui. Oui. Qui d'autre? Mon papa, le travail de mon papa. Je t'écoute. C'est quoi? Son père, c'est qu'elle est là? Oui, 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 oui. On a quitté la maison, il est resté à Bourgoua. Il est d'accord avec les aveux? Oui, oui. Ok. Ok, je t'écoute. Mon papa, c'est un corps habillé. Maintenant, il était quelque part, il est parti à la retraite. Maintenant, quand tu es à la retraite, il y a un rappel qu'on te fait pour que tu puisses continuer ton travail. Maintenant, quand je l'ai su, c'est le dossier qu'il devait partir déposer. J'ai pris ce dossier hein, et je suis parti avec ça dans le monde de la sorcellerie. J'ai enchaîné et mis dans un canari. J'ai fermé. Maintenant, quand il est parti avec, quand il a pris autre dossier pour aller déposer, où on devait le rappeler, le plus rappeler. Jusqu'à présent. Ah bon? Oui. Maintenant, il y a un pasteur qui l'a vu, qui lui a dit que c'est de le monde à la sorcellerie, mais il n'a pas cru à ça. Ah bon? Donc, il est à la retraite, il n'appelle son rappel? Oui. Oui, rappelle qu'elle parle de ça. Ça veut dire, comme il est mécanicien, c'est eux qui font les soutas, où on fait essence avec, il voyage beaucoup. Donc, en tout cas, tous les chefs disaient qu'il doit reprendre le travail, il doit rester pour former les gens d'abord. Il enseigne aussi les élèves, il doit rester pour former les gens avant de venir à la retraite. Et c'est dans ça qu'il a fait les dossiers pour déposer. Et c'est les dossiers là maintenant qu'elle a échangé maintenant pour ne pas qu'on le prenne, on le garde au service encore. Là, il n'a qu'à venir à la retraite. Ah, d'accord, c'est bien expliqué là. Au lieu de le reprendre, ils l'ont mis à la retraite. Ils l'ont mis à la retraite. C'était janvier qui vient de passer là. Décembre. Et c'est ton père? Oui. Eh bien, il n'a pas l'argent, il va faire quoi peut-être? Est-ce que tu as pensé à tout ça? La suite, c'est qui a gâté qui encore? Je voulais gâter la vie de ma grande soeur, mais il n'a pas pu. Non, on commence par ceux que tu as détruits, gâtés, et puis ceux que tu n'as pas gâtés. Quand... Voilà. Après ton père, tu as gâté qui? J'ai gâté la vie de ma maman. On lui donnait une maladie. C'est sa nourriture. Et c'est moi
Souvent, je prépare à la maison, puis je fais les tables. Non, elle m'avait dit de la servir, de nourrir sa nourriture. Maintenant, quand j'ai pris. Est-ce qu'elle fait la cuisine? Est-ce que elle s'est fait la cuisine? Oui, elle s'est fait la cuisine. Non, je demande à la maman, c'est pas au pasteur. Elle s'est fait la cuisine? Oui, oui. Oh, c'est bien, bravo. Bravo à la maman déjà. Ouais. Vas-y, si tu sais faire la cuisine, c'est grâce à maman. Donc, tu allais faire la cuisine et tu as mis tes petits néné néné dedans. Tu as fait quoi? Il a empoisonné sa nourriture avec la poudre noire. Et quand donc, tu as dit que toi, tu n'as pas pitié ni de maman, ni de papa, ni des parents. Tu as quel cœur? Tu n'as plus de sentiments. Est-ce que tu as la pitié? Est-ce que la pitié existe chez toi? Quand il prend conscience de mon mieux, pas de ce qu'il fait, c'est pas bon. Ah, y'a maman, quand même, c'est la vieille main, quand même. Bah oui. Mm-hmm, je t'écoute, hein. Et ils ont empoisonné sa nourriture avec la poudre noire. Maintenant qu'elle a mangé, elle a commencé à tousser. Il lui a donné une maladie, asthme. Mm-hmm. Puis elle a commencé à tousser. La nuit, quand il vient de la maison de la sorcellerie, je prends son âme, il a trouvé mon cheval pour partir la promener, le promener avec elle. Donc quand elle est à la maison, puis sa patronne fait mal, c'est moi qui fais, c'est moi qui fais ça. Mais eux ne savent pas. Et elle a fait souffrir avec ça. Vous avez des douleurs? Oui, oui. À ce moment-là, ça se manifestait, mais j'étais obligée de vivre avec un comprimé. Quand je ressens naître là, je suis obligée de voir le comprimé. Souvent mes pieds là me brûlent, en bas de mes pieds me brûlent, mais mon Dieu, je suis dans le feu. Jusqu'à présent, là, ça fait ça. Mais je ne sais pas ce qui provoque ça. Mmh. On poursuit. C'est la vie de ceux que j'ai gâté de ma famille. Tu n'as pas initié, tu n'as pas. Si, j'ai initié deux personnes dans ma famille. Mais l'initiation, là, c'est gâté aussi. Hein. Mmh. J'ai initié deux personnes, mes deux petites soeurs. Elles sont où? Je suis une et puis une qui a 6 ans. Elle n'a qu'à venir, c'est qui a 6 ans. Mmh. Mmh, on va te faire des dégâts quand même. Alors, le pasteur, oui, tu te bénisses. Hein? Amen, papa. Tu as vraiment fait un travail de détection. Amen. Et tu l'as envoyé sur le spécialiste, ça c'est déjà bien ça. Que Dieu te fasse grâce au-delà de ce don, que Dieu te donne encore un don très aiguisé. Amen, amen. Tout compte fait, je prierai pour toi, pour que Dieu. Il faut que ce ministère, faut que nous soyons nombreux. Amen. Voilà, il faut que nous soyons nombreux dans ce combat-là. Mais on aura l'occasion de prier, je vais te oindre. Et puis tu vois, Dieu va réveiller quelque chose en forme. Amen. Dieu bénisse les gens. Parce que grâce à toi, beaucoup de choses sont en train de se passer. Maintenant, je me rends compte que beaucoup de choses, pendant qu'elle en parle, l'Esprit de Dieu m'ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est une très, 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 très grande sorcière qui est démasquée là. Oui, tu as initié. Mamie, ça va? Comment ça s'appelle la petite? Combien de noms? Elle a combien de noms? Ma grande, t'as combien de noms?
Tu as combien de noms? C'est la dernière. Mon dernier. Donc vous avez pris tous les noms là pour mettre la ciel. Comment tu t'appelles? Angwe et Chamané. Attends, on va commencer sur le premier. Hein? Premier nom. Angwe. Deuxième. Eti. Trois. Elishama. Jamak. Elishama. Elishama. Ah oui, Elishama. Mm. Mais c'est bien Elishama. L'Éternel est ici. Elishama, l'Éternel est ici. Ah mais c'est bien ça. C'est toi entendre Elishama l'entendre. On entend sa musique comme ça. Tu es sorcier? Ah, tu parles plus, tu remets tête. Tu es belle comme ça, tu fais sorcellerie. Tu manges? Oui. Tu manges l'homme? Hum? Ok, donc tu as initié les deux. Tanti, toi qui es au milieu là, comment tu t'appelles? Moi c'est Angbe Pedala. Angbe Pedala m'a dit à Jésus-là. Vraiment, bon, tu as des parents chocos. Allez, bon nom là, c'est beaucoup comme ça. Tu as sorti? Ah, tu as initié. Baba. Alors, je vais demander comment tu as initié. Alors, comment tu as initié? Comment tu as su que tu étais initié? Cette communion-là. Alors, moi, quand je suis initié, c'est pendant la nuit. Quand il m'a appelé, voilà, il m'a dit la société. Comment tu as su? Et puis, quand il a commencé à dévoiler aussi, ton père a commencé à dire qu'il m'a initié aussi. Donc, depuis ce jour aussi, non. Non, tu dis qu'elle t'a appelé la nuit. C'est ce que je veux savoir. Elle t'a appelé la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle m'a appelé la nuit, elle m'a donné chien de l'homme avec le sang. Oui. C'était où? En fait, c'était dans une forêt où ça m'a donné. Et tu as mangé? Là-bas. C'était où? Elle t'a bien servi. Papa. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après qu'elle m'a donné, elle m'a donné des pouvoirs qu'elle pouvait prendre pour tuer les gens. Elle t'a donné des pouvoirs pour tuer les gens? Oui. Et là, il faut expliquer déjà. On veut savoir plus. Elle m'a donné le pouvoir des dragons, le pouvoir des serpents. Et puis la sirène des eaux. Et puis Ibu. Le pouvoir du dragon, Ibu et la sirène des eaux, comment ça s'est passé? La sirène des eaux, elle m'envoie dans le coin pour aller coucher avec les garçons. Et puis elle prend les pour aller coucher avec les garçons. Et puis elle prend les semences pour fabriquer les mèches, les bijoux, les maquillages, tout ça. Elle dit quoi? Je dis que la sirène des eaux, elle m'envoie pour aller coucher avec les garçons, pour prendre les semences, pour fabriquer les mèches. Et fait quoi? Prends quoi? Les semences. Sperme. Sperme. Pour parler français de Divo, sperme. Sperme. Pour fabriquer les mèches, pour fabriquer les bijoux. Ah bon? Vous les garçons, vous avez compris? Vous voyez les petites filles, vos yeux brillent, brillent comme vous travaillez à la Seigneur. Vos yeux ont des lampadaires. Vous n'avez vu que maintenant là, si une fille te regarde trop, il ne faut pas te mettre les yeux là-bas. Il ne faut pas trop regarder, il faut aller tout droit à la maison. Te coucher. Comment tu arrives à attraper les gens? Tu dis tu prends le. Hein, tu dis semence, mais chez nous à Divo on dit sperme. Ça là on comprend bien. Si on semence, on voit ça à grain de riz ou bien arachide qu'on met dans la terre. Tu sais, c'est bon français,
Mais nous, on parle le français de Divo. Tu as parlé. Alors, comment tu arrives à... tu comprends déjà comment les gens viennent vers toi, puisque quand on te voit par avant, on ne peut pas imaginer que tu fais ça. Parce que quelqu'un qui va faire ça, c'est la pédophilie tout de suite, parce que tu es petite. Comment tu arrives à avoir des rapports avec quelqu'un? Non, on veut savoir déjà. Là-bas, il y a 28 ans. Il porte les mini, les bijoux, les mèches. Et puis, je m'en vais aussi dans le bois de nuit. Je me prostitue. Et puis, maintenant qu'un garçon me prend. Et puis, maintenant, il y a entendu moi qui me dit que c'est ma chance. Donc, quand il m'en va, il couche avec le garçon. Donc, je pose sa semence. Et puis, j'envoie. Tu es en quelle classe? Non, non, mais même pas le. Au fait, elle reste dans le contexte de son français, pas le bon français déjà. Bravo pour ça, déjà, elle parle le bon français. Mais comme elle n'est pas le français de niveau, donc elle ne peut pas s'adapter un coup. Tu es en quelle classe? 105e. Mmh. Et tu arrives, comment tu arrives à faire le déguisement, en fait? Comment tu arrives à te transformer, aller en boîte? Ici, on pose des questions, on veut comprendre la profondeur de la cette sorcellerie, on veut comprendre. Tu es à la maison, comment tu peux imaginer? On ne peut pas imaginer l'instant que toi, tu peux te trouver dans une boîte de nuit en train d'aller séduire une personne. Donc, on veut comprendre. Quand il est mauvais là-bas, il possède des biens, il possède des... Non, mais non, comment déjà, ça c'est... Comment tu procèdes déjà? Déjà, comment tu procèdes? Comment tu arrives à aller à une mission? Comment ça se prépare? Moi, je veux comprendre, hein, je suis là pour savoir des choses. Hein. C'est pendant la nuit. Voilà. C'est pendant la nuit. À partir de minuit, ça, je commence. Mmh. Jusqu'à 4 ans, je suis déjà rentrée. C'est pour ça que la nuit, il y a beaucoup de gens dehors. Hein. Voilà. La minuit, là, beaucoup de gens dehors. Et tu cherches les gens. Je crois que c'est les gens qui viennent après toi. Comment ça se passe? Tu es en mission, on veut savoir comment se passe. Je suis en mission, ça, on me voit dans le bois de nuit où il y a beaucoup de garçons. Et ça, on me voit là-bas et puis il est mauvais. Maintenant, je me prostitue. Quand je commence à faire... Non, oui, quand tu vois, maintenant, il veut savoir comment un homme s'approche. C'est toi qui l'attire ou c'est lui qui vient après toi? C'est moi. Comment tu fais? Je commence ça à... Ça va aider beaucoup de procédés. Je commence à faire des œufs douces. Et puis, je mets aussi des lentilles là-bas. Et puis, je commence à jouer avec mes mèches. Je m'habille aussi mini. Je commence à toucher mes cuisses. Donc, ça le touche dès que je viens. Il vient en même temps. Vous avez compris, hein? Après, c'est pour venir dire, ma chance est partie, j'ai pas compris. Je ne sais pas qui a pris ma chance. Vous avez compris, hein? Bon. Et il va avec toi à l'hôtel ou chez lui? Mais chez lui. Chez lui, moi, pas. Et tu n'as pas peur? Mais il ne sait pas. Hein? Elle y va? Il ne sait pas. Non, toi, tu n'as pas peur? Non, pas. Mmh. Mamma mia. Les garçons bizarres, tu n'as pas peur. Et tu fais quoi? Tu prends leur. Tu dis quoi? Tu as pris. Tu fais quoi? Leur sémence, tu as dit. Hein? Bon, je vais me limiter à ça. Sinon, il y a des choses que je voulais poser comme question. Dans lui, il ne sait pas. Quand tu prends le truc, tu prends ça quoi? Dans un bol, dans un tuyau? Dans la bouche, dans quoi? Je pose ça dans une petite boîte. Comment tu y arrives? Moi, il t'informe déjà qu'il y a des questions bizarres. Moi, je vais très loin dans mes questions. Parce que c'est instructif. Ça permet de comprendre, hein, comment le mode opératoire de la sorcellerie. Et ça aide beaucoup. Vous savez pas que toi, c'est pas que tu attends de nous donner des informations. C'est des informations que tu nous donnes. Voilà.
Comment tu arrives à recueillir ça? Quand il... Moi, je l'enlève. Mmh. Oui. Mmh. Et puis, il y a des fois, il peut rester dedans. Et puis, en même temps, je vais les tuer. Entre vous, Dieu, qui est dangereux? Entre la patronne et l'élève. La patronne. La patronne. Alors, quand elle est tue, là, tu es au courant? Oui, non, je demande à la patronne. Quand elle est tue, toi, tu es au courant? Oui. Donc, vos parents, parce que vous dormez, oh, toi, tu es dans le bois de nuit. Attends d'aller danser, ma cousine. Alors, elle a tué 300 et quelques toi. Et tu as détruit la vie de qui? Elle a détruit la vie de ma grosse soeur. En fait, c'est pas elle-même, mais elle a détruit la vie de son mari. Parce qu'elle devait se marier. Mais elle a bloqué son mariage. Comment? En fait, il a vu qu'elle a une chance, son mari a. En fait, de toutes deux choses sur eux aussi. Parce que son mari, il devait faire un dossier pour aller mettre ça à la mairie pour financer le mariage. Donc, j'ai pris ce dossier. Et puis, maintenant que j'ai pris, il est mis dans une canarie. Ah, toi, tu es dans une, tu rêves encore dans une là. Une, là. Dans un canarie. Mmh. C'est tout ce que tu as fait comme dégâts, gâté? Et puis encore. Il devait aussi faire concours de gendarmerie aussi. Donc moi aussi j'ai bloqué ça pour ne pas qu'il travaille. Parce que s'il travaille, il va gagner l'argent pour se marier. Donc j'ai bloqué ça. Le papier qu'il fait, je ne pense aussi. Puis je m'en vais aussi mettre ça dans la canarie. Le canarie. Mmh. Et puis elles sont des amies. Hein. Elles sont des amies aussi qu'elles devaient faire. Hein. Si. Ma grosse soeur Anna. Sont des amies, elle devait faire. Elle doit passer les examens cette année. Hein. Donc, je suis là bloqué son examen. En quoi faisant? Quand elle veut partir à ces big, ces choses-là, je prends son intelligence parce que. Dans les choses aussi, il y a des intelligences, des gens dedans, donc il prend. Et puis, il laisse une petite partie qu'elle peut se rappeler. Parce qu'il n'y a pas trop de points dedans, hein, je laisse. Et puis, le reste, je prends ça parce que je verse une poudre sur elle. Mmh. Tu as fait quoi d'autre? La vie d'une de mes amies aussi. Elle, pour elle, il a gardé son tuyau sa maman. Parce que sa maman devait rester pour grandir. Parce que quand elle voit sa maman, elle est contente, elle est heureuse. Non, moi, ça ne me plaisait pas. Donc, quand il partait chez eux, il y avait une fois, sa maman était de manger. Donc, il partait chez eux, il y avait une poudre dans la nourriture, sa maman. Sa maman commençait à manger. Et elle a commencé à tousser. Donc, ils ont envoyé à l'hôpital. Ils ont dit que c'est fini pour aider les morts. Donc, j'ai appelé son nom 3 fois. Puis, j'ai pu partir. Son âme. Elle a pris. C'est tout ce que tu as fait?
Et tous sont les dégâts là, c'est tout. La vie des gens que tu as gâtés, c'est tout. Alors, la petite. Non, on ne force pas à laisser. Elle a dit c'est tout, on va. Comment s'est passé pour toi? Hein? Ah, tu l'appelles maintenant celle-là? Ta grande soeur, oui, c'est celle-là. Ma grande soeur. Comment est-elle initiée? Par nos yeux. Explique, on va comprendre. Elle m'a donné une viande et puis elle m'a mangé avec du sang. Et puis elle a bu. Et après? Et après, quand j'étais là dormir, elle a dit mon nom. Elle est partie dans le monde de la sorcellerie. Écoute, hein. Quand il s'est arrivé là-bas, il a regardé des femmes bizarrement. Elle y va? Il dit quand il s'est arrivé là-bas, il a regardé les femmes bizarrement. Je comprends pas son français. Qu'est-ce qu'elle dit là? Quand il s'est arrivé là-bas, il a regardé les femmes bizarres. Non, tu dis qu'ils t'ont donné la sorcellerie en te donnant à manger, c'est pas ça? C'est ça. Et c'est là que tu es devenue sorcière? C'est ça? Papa. Et qu'est-ce que tu as fait après quand tu es devenue sorcière? Ma grande soeur m'a appelé, puis elle est partie dans le monde de la sorcellerie. Et puis elle regardait les femmes mal. En fait, j'entends pas bien ce qu'elle dit. Je ne sais pas si quelqu'un peut me traduire. Elle dit que quand sa grande soeur lui a donné la sorcellerie, la nuit, elle est venue la prendre pour l'envoyer dans le monde de la sorcellerie. Arrivée dans le monde de la sorcellerie, elle a regardé les gens de là-bas bizarrement. Mais bizarrement, c'est ce qu'il veut savoir. Ça veut dire quoi, bizarrement? Alors, qu'est-ce que tu lui as donné? Je vais parler de ce qu'il a initié. Tu l'as poussé à faire quoi? Il a initié les deux à mettre ton sang. Pendant qu'on mangeait, la nuit qui a suivi, il a appelé les deux. On est partis ensemble, le monde de la société. C'est arrivé là-bas maintenant que je lui ai donné la viande et le sang pour qu'elle puisse manger et boire. Je t'écoute, hein? Non, c'est dans ça, je lui ai donné de pouvoir pour entendre et écouter tout ce que les autres disent. Elle veut ton nom, Ibou, Salamon, Kafa et Milpat. Escolomon, Escolopot. Pardonnez, s'il vous plaît, pardonnez. Et ça, il l'a donné pour qu'elle puisse partir en mission pour tuer d'autres personnes.
Je vous écoute. Hein. Qu'est-ce que tu as fait avec chez les chrétiens, à l'église? Parce que je veux en savoir plus. Il y a d'autres personnes que j'ai volé les grâces à l'église. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu fais quand tu vas à l'église? Qu'est-ce que tu as fait comme dégâts? J'ai détruit la vie de d'autres personnes. Et quand d'autres personnes sont là à prier, puis d'autres personnes ne prient pas, je sais. Et ceux qui prient, il y a les anges qui leur couvrent, donc pour s'approcher d'eux, c'est difficile. Mais pourquoi toi, tu es sorti, tu es dans l'église, et puis on n'a pas su? Il y avait déjà deux sorciers là-bas. Hein? Je suis pas la seule. Il y a déjà d'autres là-bas, je suis pas la seule. Il y a des sorciers là-bas? Oui. Dans l'église? Oui. Mais quel est le rapport? Il y a des sorciers. Mais comment toi, n'ont pas su toi ta sorcellerie? C'est la question. Moi, je ne sais pas. Sinon, ceux qui sont sorciers dans l'église. Je souhaite donc savoir pourquoi les gens n'ont pas su ta sorcellerie. Papa. Est-ce que tu es sorcière? Non, laissez-moi finir avec elle d'avoir l'éducation. Tu es sorcière et tu es dans une église. D'accord? Et tu vas dans cette église-là, et c'est le pasteur qui vient. Je pense qu'après un moment de prière, c'est comme il nous a dit là, c'est là qu'ils ont. Et que Dieu leur a révélé des choses, c'est pas ça? Voilà. Voilà. En temps, il y a longtemps que tu fréquentes l'église, c'est pas ça? Alors, tout ce temps-là, pourquoi les gens n'ont pas su, dans cette église que tu fréquentes là, pourquoi les gens n'ont pas vu cette sorcellerie? Bon, quand je suis dans l'église, il y a d'autres personnes qui ont assoupi le pasteur. Donc, lui, c'est non, pas... c'est pas la question. C'est pas la question. La question, c'est que même que le pasteur soit assoupi ou pas, alors comment eux n'ont pas pu détecter toi, ta sorcellerie? Hey, je me suis masqué. Comment? Je prends l'apparence d'une autre personne. Partir à l'église. Je n'ai pas qu'on sache non, que... Non, quand tu dis l'apparence, non, tu caches ta sorcellerie et tu rentres, c'est ça? Oui. Ah, c'est le scandale de te dire la vérité. Parce que c'est pas même si même si tu prends l'apparence, ils vont savoir. Ils vont savoir ça. Donc, ça veut dire qu'en temps réel, tu ne voulais pas délivrer de la sorcellerie. C'était avant. Hein? C'était avant. Ben oui, je suis en train de parler de « en voit que tu n'arrives déjà ici oui. ». Voilà, le français, c'est « en voit que tu n'arrives ici ». C'est parce que si tu voulais, effectivement, tu allais déjà en parler à ta mère. Et je pense que tu allais déjà faire beaucoup de choses, mais bizarrement. C'est que c'est le pasteur, c'est ton oncle, c'est ça? Oui. Alors, celui à qui Dieu révèle justement, parce que toujours il y a quelque chose, il y a quelqu'un à qui Dieu va parler. Alors, pasteur, ça s'est passé comment? Bon, moi, j'ai pris un moment de gêne. Parce que j'ai vu que moi-même, ma vie de prière, ça baissait d'une manière. Tu vis chez eux? Non, j'étais là-bas, d'accord. Mais j'ai pris ma maison. Ici, ok, ok. C'est là-bas que j'ai connu le Seigneur. Ah, voilà. Super. Donc, et j'ai vu que ma vie de prière, ça baissait. Donc, je me suis retiré pour aller faire un moment. Voilà, dans un autre camp de prière. C'est là-bas, maintenant, quand je suis revenu, le Seigneur a montré dedans beaucoup de choses. Elle a su ça, donc elle est venue pour m'attaquer encore. Donc elle est arrivée, elle n'a pas pu. Donc c'est là, la maison, le Seigneur a mérité maintenant beaucoup de choses sur eux. Ok, donc tu avais affaibli le pasteur. Je ne dis pas le nom de l'église, mais qu'est-ce que tu as fait au pasteur où vous priez tout ça? Le pasteur, eux-mêmes, donc, sont sorciers de l'église. Ils sont nombreux là-bas. Le pasteur sorcier? Oui. Comment tu as su ça? Pas parce que
aussi, je sais. Oui, mais non, on veut que tu expliques. On n'a pas dit de dire le nom de quelqu'un, non. On ne veut pas. Mais comment tu sais que tel pasteur, pasteur est sorcier dans une église, là où tu es? Parce que quand je suis dans le monde spirituel, il y a d'autres que je vois là-bas. Mais on n'est pas dans la même complète. Non. Et comment tu peux le voir? Oui, comment tu peux le voir? Pasteur Serge, repose là la question. Pose là la question parce que je veux comprendre. Elle dit, oui. Il y a des... Oui. Pasteur Serge, vous posez la question. Il est à l'église là. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Non. Comment est-ce que... Elle voit. Elle sait que les pasteurs sont sorciers. Comment tu sais que les pasteurs sont des sorciers? Par les actes qu'ils font dans l'église. Est-ce qu'il y a d'autres... C'est ce qu'on veut savoir. Quel acte? Ici, on aime les détails. Hein, parce que quand tu dis acte, parce que c'est l'église déjà qui est touchée, donc on veut savoir. Par les actes qu'ils posent dans l'église. Parce qu'il y a d'autres pasteurs, pendant que les fidèles souvent font des offrandes, ils prennent des offrandes et puis ils sont dans le monde de la sorcellerie. Comment tu sais qu'on prend des offrandes pour aller dans le monde de la sorcellerie? Parce qu'ils font les petits sons, ils font les petits réunions dans l'église où ils sont là à parler de ça. Et moi, j'entends ça. Alors, je ne sais pas si tu me comprends. Alors, toi, tu ne fais pas partie d'un groupe. Parce que là, déjà, je suis déjà touché. Et là, parce que je sais que s'il n'y a pas de complicité, tu ne peux pas savoir. Et si tu dis que tu ne les vois pas, tu les vois. Parce que si tu n'es pas complice, tu ne peux pas savoir leur manifestation. Ça veut dire qu'il y a une complicité. Parce que là, et toi. Parce que quand tu dis prendre, et puis tu vois. Parce que si. Tu n'étais pas dans leur manière de faire des choses, jamais tu allais voir ça parce qu'ils allaient te combattre. Donc, si tu essaies de voir, ça veut dire que tu es complice, tu es dedans, tu es dans la confrérie. Alors, c'est ce que j'aimerais que tu dises, puisque toi-même, tu sais qu'il y a des sorciers. Mais s'il y a des sorciers, vous devenez camarades, vous faites forcément sorcier à ça. Depuis quand sorcier n'est pas camarade avec sorcier dans la même chose. Donc, ça veut dire qu'il y a une confrérie dans l'église auquel tu fais partie. Voilà. Tu fais partie de cette confrérie dans l'église. Tu caches quoi? Tu veux cacher quoi? C'est le temps de faire des aveux. Parce que si tu avais des pasteurs, ça veut dire que tu es dedans. Parce qu'un sorcier ne va pas permettre que tu le... Non. Si tu le sais, terminé. Tu ne veux pas partir de ta confrérie, ils vont te combattre. Ils se combattent entre eux. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, la personne même peut te tuer. Voilà. Donc, si elle te regarde faire ça, ça veut dire que toi, tu es complice. Donc, moi, je veux savoir quelle est ta part de complicité. Moi, je suis déjà convaincu que tu es dans la confrérie. Je suis déjà convaincu qu'il y a une confrérie de sorcellerie. Et dans cette église, dont tu fais partie, tu en fais partie. Voilà, tu es dedans. Donc, on veut savoir plus. Voilà. Je vais tomber l'église. Pour renverser l'église. Pasteur Serge, pour lui. Le prophète dit, tu fais partie du groupe des sorciers, ces pasteurs. Qu'est-ce que vous avez fait? Non. Oui, c'est vrai ce que j'ai dit, c'est ça. Tu fais partie. On veut savoir plus. En savoir plus de la confrérie. Vous êtes combien dans cette église? Il y a combien de pasteurs? Il y a combien de personnes qui sont parmi? Et toi, tu joues quel rôle dans la confrérie? Donc, l'église a dit. Vous êtes combien? Toi, quel est le rôle que tu joues? Je ne connais pas le nom, mais toi, nous sommes nombreux. Non, tu peux savoir. Si tu peux assister, tu ne peux pas participer. Tu n'es pas dans une confrérie, tu n'es pas savoir le nom de la confrérie. On veut savoir. Nous sommes 32. Tu as c'est le dixième qui est sorcier. Il y a combien de personnes dans la confrérie? 32. Elle dit 32. Très bien. Il y a combien de pasteurs? Tu n'as pas entendu? Combien de pasteurs? Qui sont dans la confrérie. Il y a combien de pasteurs qui sont dans le groupe? 25 pasteurs. Elle dit 25. Combien? 25 pasteurs.
Il y a combien de pasteurs dans cette église? On est 30. Ils sont 30. Hein? Ils disent ils sont 30. Oui, 30 pasteurs. Et 30 pasteurs pour 300 fidèles? Pourquoi? 30 pasteurs établis sur une église de 300 personnes, pourquoi? Pourquoi on ne vous met pas sur les églises, on vous laisse tous les 30 personnes sur une église? La faute à eux-mêmes encore, c'est eux qui bloquent l'étendue de l'église. Quand il a pris, il a pas que on veut envoyer des pasteurs là, ils bloquent ça. Quand nous programme, on met pas les bonbons là, c'est eux qui passent. Quand nous programme, nous ne connaissons pas sortir quand nous programme là, ça bouleverse les prix, donc ça fait que nous, eux n'aiment pas ça, donc ils bloquent, pour que nous, ceux qui sont sortis n'ont pas parti tellement. Et puis c'est le sorcier même qui programme les gens. Et le prophète ne sait pas. Lui-même là, il l'a endormi. Et les prophètes comment? C'est juste son casse oublié. Ils ont tout enlevé sur lui. Avant, il n'était pas comme ça. Avant, il n'était pas comme ça. Il l'a envahi même. Ils ont cassé ses yeux. Oui, c'est ça. On peut dire ça. Non, mais si tu ne vois plus, c'est qu'ils ont cassé. Donc, ça veut dire qu'il y a 25 pasteurs sorciers dans la communauté. Oui. Mais c'est dangereux déjà. Ils attrapent, ils viennent avec les Bibles, ils lisent la Bible, la parole de Dieu, ils sont sorciers. 25 pasteurs sorciers. C'est à toi, je demande. Oui. Oui. Mais toi tu fous quoi parmi les 25 pasteurs? Tu es des mains là, tu fous. C'est quel rôle tu joues là-bas? Moi, c'est au niveau du groupe musical. Quoi ça? Au niveau du groupe musical. Non. Là, ça fait du groupe musical. On parle de sorcellerie maintenant. On n'a pas parlé de. Tu joues quoi? Tu es dans la confrérie où vous êtes 32. Il y a 32 sorciers. D'accord? Oui. Et toi, il y a 25 pasteurs. Oui. N'est-ce pas? Oui. S'il y a 25 pasteurs sorcier, ça veut dire déjà qu'il y a, sept. Sept ne sont pas pasteurs. Donc, tu fais partie des sept qui ne sont pas pasteurs. Voilà. Maintenant, les pasteurs et vous, toi, tu joues quel rôle? Puisque les pasteurs sont déjà là. Vous faites quoi dans cette église-là? Et toi, tu joues quel rôle? D'accord. Maintenant, les versets pasteurs, d'abord, on va parler. Ils font quoi comme activité spirituelle, sorcellerie dans cette église? Ils sont au niveau du prophète. Ah, donc celui qui est établi sur l'église, c'est un prophète. Oui. Sérieux? Oui. Wow. Ah, il sait au moins que. Est-ce que lui, il sait que l'église est la sorcellerie? Non. Est-ce qu'il en parle? Non. Elle dit, il ne sait pas. Il n'a jamais parlé de ça? Non. Il n'a jamais vu sorcier. Oh, je vous parle là-bas. Oui. Non, comme toi, tu es pasteur là-bas, c'est pour ça que j'évite que tu parles déjà. Parce que les gens sauront l'église tout de suite. Laisse-la parler, puisque c'est elle la concernée. C'est déjà la concernée. Est-ce qu'elle en parle? Est-ce qu'il lui parle des sorcelleries, le pasteur? Non. Pourquoi? Il dit quoi? Le prophète plutôt. Bon, tout ce que le prophète parle dans l'église, il parle de l'argent, des dîmes, les offrandes. Il parle seulement des dîmes et offrandes. Oui, et le péché. Mais il parle ça, pas de. Et puis il parle pas de sorciers. Non. Mais c'est ça qu'il est pasteur là. Ça c'est le rôle d'un pasteur. Non, il voit pas les choses dans l'église. Ça, c'est un sujet qui est sérieux. Hein. Il est prophète comme Adam. Tu vois, même tu danses devant lui, il ne voit pas. Et toi, tu es dans quel département d'église? Bon, j'étais à l'école le dimanche, mais quand il y a les fêtes, j'ai chargé de la dose. Non. Et le département de l'église. Département de l'église.
Non, on fait le balai. C'est dans le balai là que tu es retourné dans la sorcellerie des pasteurs. Alors, le pasteur voulait dire quelque chose, je vais t'écouter. Oui, oui. En fait, le père, lui, quand on lui parle de la sorcellerie, il ne croit pas. Quand, oh là voilà. Il ne croit pas. C'est-à-dire, quand tu dis telle personne est sortie, bon, il ne sait pas si lui, c'est pour ne pas que l'église se casse et que nous, lui, il faut qu'on en parle. Mais quand nous, Dieu nous révèle cela, quand on veut parler de cela, il dit non, que non, pas qu'on parle de ça. Ah bon? Voilà. Et la personne qui parle de ça, alors il devient maintenant l'ennemi de l'église, du pasteur, des parents de prophète. On ne le trouve plus. Ah. Donc chez lui, un prophète qui est en Afrique. Et quand on dit la sorcellerie, déjà, il combat déjà celui qui parle, dénonce la sorcellerie. Hein? C'est ça. Même ce qui arrive aux enfants, on ne lui a pas dit. Non, j'ai compris tout de suite. On ne lui a pas tout de suite, j'ai compris. Non, j'ai compris tout de suite. Parce qu'il ne va pas croire. Et puis, il ne va pas les délivrer. Puisque il ne va pas les délivrer. Maintenant, il ne croit pas déjà. Donc, j'ai un souci. Lui-même, il a un problème déjà. Tu es dans une église, on te dit à sorcellerie, tu ne crois pas ça. Ben, nous, on se pose déjà des questions. Qu'est-ce qui se passe chez toi-même déjà? Et les gens vont dans l'église. Et les pasteurs la prient pour eux. Il leur, les pasteurs leur imposent les mains. En prenant toutes les chances des fidèles. Pensant venir à l'église pour chercher Dieu. Oh, et les pasteurs ont la main sur leur tête sans venir manger leurs chances. Mais moi, je pense que même c'est lui qui a coûté la séquelle. Qui est le meilleur pasteur là-bas déjà de l'église. Mais on ne l'aime pas là-bas. Hein? Non, on ne peut pas aimer. Vous savez, attends, depuis quand bandit est un policier? Non, mais c'est. Voici l'exemple. Depuis quand un braqueur est un PJ? Depuis quand? C'est clair. Si tu es là, moi-même, si je suis aimé. Pour lui-même, c'est petit. Quand tu vas commencer à voir, mais c'est là ton problème a commencé. Donc c'est normal, ça veut dire qu'il est du vrai. Quand tu vas commencer à voir des choses, c'est là ton problème a commencé, le ministère. C'est là la persécution commence. La persécution, là, c'est là ça commence. C'est pour ça que le don de vision, c'est la persécution. Hein. Ça crée la persécution. Voilà, donc je ne suis pas étonné qu'il soit persécuté, qu'il ne soit pas aimé. Voilà. Je ne suis pas surpris. Il y a des gens qui ont des dons, qui doivent exercer les dons. Au début, dans le monde déjà, oui. Au début, le pasteur, il faisait les miracles, c'est-à-dire qu'il faisait... Non, Dieu passait par lui. Par lui pour faire. Quelqu'un ne fait pas miracle. Mm-hmm. Dieu passait par lui pour faire les miracles. Moi-même, quand il y a eu les deux enfants, pour avoir enfant, c'était dû. Un veillé, sur une veillée, il a prié sur l'eau, et puis j'ai bu, et puis celle-là, je l'ai pris en même temps, grossesse. Et pour naître là, j'étais dans 9 mois, je n'accouchais pas, je partais dans 10 mois maintenant. Un jour, je suis allée à l'église, j'ai senti que on dirait j'ai accouché, donc je voulais venir à la maison, et puis il m'a appelé en même temps, il dit, viens, j'ai prié pour toi, tu vas aller accoucher. Dès qu'il m'a mis devant l'autel, il a prié pour moi. Sur place, là, je suis resté, je ne pouvais plus bouger même pour aller prendre ta sœur. Au moins, les gens sont partis prendre ta sœur. J'ai accouché dans l'église. Et puis, elle, ils l'ont pris pour la présenter devant l'autel, devant le Seigneur, avant qu'on va aller à l'hôpital. C'est pour ça qu'on lui a donné le nom Anne-Esther. Maintenant, c'est dans l'église où tu es né, là, c'est là que tu vas manger. Là, c'est maintenant même là. Que c'est les le restaurant. Au début, là, c'était bien. Mystère prophétique. Mais depuis qu'il a dit que c'est devenu église, là, c'est fini. Les sorciers là, nous envahissent maintenant. Souvent, les dimanches, les gens sont beaucoup. Souvent, les nouvelles personnes, là, ils s'en vont seulement. Ils s'en vont seulement, ils ne restent pas. Vous les chassez, Anne, vous chassez les nouvelles personnes. Oui. Mais toi, tu es né dans le fait de Dieu. Donc, après ça, tu es devenu sorcière. Oui.
Est-ce que tu veux être délivré? Je ne veux pas. Tu es sûr? Je ne veux pas. Voilà, parce que si tu as fait les aveux ici, là, quand on retourne dans la sorcellerie, on a le châtiment de Dieu. Hein. Mon souhait, je bénis Dieu que le ton nom qui est pasteur. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose de grâce sur sa vie. Voilà, parce que c'est pasteur, mais je pense qu'il y a un don prophétique en lui. Parce que c'est le prophète qui ne se teste pas. Hein. Tout le monde les appelle pasteur. Parce que le prophète ne veut même pas que tu sois prophète. Malheureusement, on établit quand quelqu'un dont le prophète, on veut l'étouffer, on dit non, tu es pasteur. Oh, il y a prophétique en lui. Voilà. Voilà, un petit aigle et puis un poussin, ils n'ont pas les mêmes manières de voir la vie. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, heureusement que Dieu souvent fait grâce à certaines personnes. Voilà, nous on est resté dans le ministère prophétique. Nous on est dans le prophétique, on est dans le camp de prière, on fait nos trucs. Il ne faut pas imiter les gens, justement. Quand tu imites les gens, non, je veux qu'on prie pour le pasteur. Moi je prie pour que Dieu lui fasse grâce. Voilà, c'est des moments de faiblesse, c'est des moments de trucs. On ne dit pas pour apporter un discrédit sur son église, non. C'est pour ça que j'évite même qu'on dise les noms, etc. Mais c'est important chez nous de dénoncer. Voilà, l'œuvre, la pratique de la sorcellerie. Ce n'est pas l'église ni son image qu'on est en train de toucher. Loin de moi cette pensée, parce que si c'était le cas, j'aurais peut-être demandé le nom de l'église, etc. C'est un homme de Dieu. Quand Dieu l'appelait, je n'étais pas là. La preuve, c'est que vous rendez un témoignage aussi de lui. C'est un être humain, il peut faire vie. Je prie Dieu qu'il se souvienne de lui et que Dieu l'amène à se ressaisir et que Dieu l'amène à prendre conscience et que Dieu lui accorde une restauration. Il en a besoin. Voilà. Il en a besoin d'une restauration et qu'en même temps, que Dieu dévoile, qu'il ouvre ses yeux afin de pouvoir voir toute cette sorcellerie qui se passe. Sinon, si les sorciers continuent, le pasteur, le prophète en question, le tue. Ils finiront par le tuer. Voilà. Donc, je pense que sa vie même est menacée et en danger. Voilà. Alors, lève ta main, je vais prier. Si tu veux être délivré, si tu as dit la vérité et que tu veux être vraiment sincère, le Seigneur va te délivrer tout de suite. Poussez-la, laissez-la, je vais prier pour elle. Je prie que la puissance de Dieu te localise et que cette prière te localise maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à l'esprit de la sorcellerie qui possède ton corps de te lâcher et maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je commande à l'esprit de la sorcellerie de te lâcher et maintenant. Libérez-la. C'est un ordre. Libérez-la. Ou quittez son corps parce qu'elle a décidé d'abandonner la sorcellerie et de s'engager dans la voie de Dieu définitivement et de marcher avec lui. Alors c'est pour cela que vous quittez son corps, parce que désormais ce corps sera désormais sous le contrôle du Saint-Esprit. Donc tous les démons qui possédaient ce corps, l'esprit de la sorcellerie, l'esprit de la sirène des eaux, tous les démons qui possèdent ce corps, je vous ordonne maintenant, par la puissance au nom de Jésus-Christ, sortez d'elle. C'est un ordre. Quittez ce corps. Voilà, laissez-la. Quittez ce corps maintenant. Voilà, maintenant. Lâchez-la. Oui, lâchez-la. Oui, lâchez-la. Oui, lâchez-la. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lâchez-la. Allez, libérez-la. Allez, libérez. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Fais la puissance de Dieu. La puissance de Jésus-Christ. La puissance de Jésus. Le feu de l'Esprit de Dieu. Le feu. Lâche-la. Lâche-la. Libérez-la. 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 Allez. Allez, allez. 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 Allez, dégage. Oui, au nom de Jésus. Allez, libérez-la. Libérez-la, 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 libérez-la. Au nom de Jésus, le feu. Allez, le feu de Dieu. Voilà, partez.
Partez. Allez, partez. Libérez-la au nom de Jésus. Allez, libérez-la, la puissance de Dieu. Libérez-la au nom de Jésus. C'est un ordre. Vous allez quitter ce corps. Au nom de Jésus. Allez, lâche-la. Lâche-la. Fais sur toi. Fais sur toi. Fais sur toi. Lâche-la. C'est un ordre. Feu. Allez, feu. Allez, feu. Au nom de Jésus. Allez, feu. La puissance de Dieu. Feu. Au nom de Jésus. Allez, feu. Feu. Allez, comment? Au nom de Jésus. Lâche-la. 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 Rendis-le toi-même. Laisse-moi. Va-t'en. Va-t'en. Allez, libérez-la. 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 Cherchez un pain et attachez sa robe. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. 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 Allez, libérez-la. 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 Allez, libérez-la. C'est un ordre. C'est un ordre. Allez, libérez-la. Libérez-la. Allez, le feu. Au nom de Jésus. 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 Je commande au démon de la sorcellerie de te libérer. Allez, libérez-la. C'est un ordre. Allez, libérez-la. Libérez-la, allez, libérez-la. Au nom de Jésus, fais sur toi. Fais sur toi. Fais sur toi. Fais sur toi. Allez, lâchez-la, 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 lâchez-la. C'est un ordre, lâchez-la. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, lâchez-la. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Lâche-la. Lâche-la. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Elle servira désormais l'Éternel. Elle servira Hachem, le Dieu des Hébreux. Lâche-la au nom de Jésus-Christ. Tu vas la libérer au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lâche-la. Allez, libère-la. Allez, libère-la. Sors. Allez, sors. Allez, sors. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Libère-la. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. Libère-la. 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 Libérez-la. Au nom de Jésus. Lâchez-la. Au nom de Jésus. Libérez-la. Libérez-la. Allez. Allez, au nom de Jésus, allez, libérez-la. Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Libérez-la! 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 Allez, lâchez-la! 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ, je proclame sa délivrance! Je proclame sa délivrance! Je proclame sa délivrance! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, libérez-la. Libère-la. 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 Au nom de Jésus. Libère-la. Libère-la. Libérez-la. Au nom de Jésus. Lâche-la. 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 Feu sur toi. Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Attachez bien son pain, s'il vous plaît. Voilà, la puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit te libère. La puissance du Saint-Esprit te libère. Jésus 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 te libère. Je commande aux démons de partir maintenant. Lâchez-la. Lâchez-la. Libérez-la au nom de Jésus. Libérez-la. Allez, libérez-la. Allez, libérez-la. Sortez de son corps. Esprit de la sirène des eaux. De la sirène. Lâche-la. 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 Oui, lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère-la. Au nom de Jésus. Voilà, libère-la. Allez, feu. Le feu. Allez, lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Lâche-la. Libère-la maintenant même. Libère-la et maintenant. Libère-la et maintenant. Au nom de Jésus. Tu la libères. Tu la libères. Tu la libères.
Tu la libères maintenant même, au nom de Jésus. Je proclame ta délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame ta délivrance dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Elle est libérée, c'est terminé. Elle est libérée. Sa jeune sœur, là, bien. La jeune sœur, là. Sa jeune sœur. Lève les mains. Attache bien le pain. Madame, faut attacher le pain dedans. Je prie. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la puissance de Dieu, l'Esprit, ma prière te localise depuis le sang péniel de Divo. Tout esprit de la sorcellerie possédant ton corps, je commande à ce démon-là de te libérer. Je commande à ce démon de sortir et de partir et maintenant. C'est un ordre. Je commande, voilà, lâchez-la. Allez-y. Voilà, allez-y, quittez son corps. Quittez son corps. Lâchez-la. Lâchez-la. Sortez. Esprit de la sorcellerie, tu quittes son corps maintenant même. Libère-la. Libère. Libère-la. Esprit de la sirène des eaux. Esprit de la sirène des eaux. Esprit de la sirène des eaux. Voilà, lâche-la. Le feu sur toi. Le feu consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. Le feu de Dieu consume tes œuvres. Lâche-la. 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 C'est un ordre. Lâche-la. Lâche-la. Voilà, libère-la. Aucun démon ne peut résister à la puissance de ce nom de Jésus-Christ. Laisse-la et sors de ce corps pour qu'elle puisse servir son Dieu. Lâche-la. Libère-la. 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 Au nom de Jésus, lâche-la. Lâche-la, lâche-la. Sors et va-t'en. Va-t'en. Au nom de Jésus, tu la libères et maintenant. Tu la libères et maintenant. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus-Christ te libère. La puissance de Jésus te délivre. Reçois ta délivrance et maintenant. Reçois ta délivrance et maintenant. Reçois. Reçois ta délivrance et maintenant. Allez, feu. La puissance de Dieu. Le feu. Allez, lâche-la. Lâche-la. Allez, feu. Feu. Allez, feu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus, la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Lâche-la, lâche-la. Allez, lâche-la, lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libère-la. Libère-la au nom de Jésus. 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 Libère, libère-la. Libère-la. Sauve-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère. Libère-la. 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 Oui, lâche-la. C'est un ordre. Libérez-la. Libérez-la au nom de Jésus. Libérez-la au nom de Jésus. Libérez-la. 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 C'est un ordre. Je commande aux esprits. Lâchez-la. Lâchez-la au nom de Jésus. Lâchez-la.
Au nom de Jésus, le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Lâche-la, lâche-la. Lâche-la. Allez! 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 Au nom de Jésus, 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 quitte ce corps. Je commande au démon de te lâcher. Je commande au démon de te lâcher. Lâchez-la. C'est un ordre. Lâchez-la. Oui, lâchez-la. Allez. Allez. Lâchez-la. Lâchez-la. Lâchez-la au nom de Jésus. Vous la libérez maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Libérez-la. Libérez-la. Libère-la maintenant même. Libère-la et maintenant même. Libère-la et maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère-la et maintenant même. Libère-la et maintenant. Sors d'elle. Voilà, lâche-la. 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 Lâche-la au nom de Jésus. Lâche-la au nom de Jésus. Libère-la. 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 Libère-la au nom de Jésus. Libère-la au nom de Jésus. Libère-la au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis tout pouvoir de l'envoûtement, toute présence mystique dans ton ventre. J'ordonne à cette présence mystique dans ton ventre. Au nom de Jésus-Christ, libérez son ventre. Allez, libérez-la. Allez, libérez son ventre. Libérez-la au nom de Jésus-Christ. Libérez-la au nom de Jésus-Christ. Libérez. Libérez sa vie. Libérez la puissance de Jésus. La puissance de Jésus te libère. 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 Lâchez-la. C'est un ordre. Libérez-la. 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 C'est un ordre. Lâchez-la. Lâchez-la. Tu la libères maintenant même. Lâche-la. Lâche-la maintenant même. C'est un ordre. Libère-la maintenant. Au nom de Jésus. Libère-la. Libère-la au nom de Jésus. Libère-la au nom de Jésus. Libère-la au nom de Jésus. C'est un ordre. Lâche-la. Lâche-la. Feu. Le feu. Le feu consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. La puissance de Jésus-Christ te libère. La puissance de Jésus libère tes œuvres. La puissance de Jésus libère tes œuvres. La puissance de Jésus libère tes œuvres. Allez, lâche-la. Voilà, libérez-la. 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 Au nom de Jésus. Vous quittez définitivement son corps et sa vie. Vous la libérez. Vous libérez sa vie. Pour libérer cette vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est fini, elle est libérée. Yeah. Je vais leur poser juste une question. Voilà. Les parents sont où? Oui, nous sommes. Et comment Anne se sent? Qu'est-ce qu'elle a senti pendant la délivrance? Elle a senti une présence qui était là. Un homme qui était habillé en tout blanc. Qui avait un épée dans sa main. Qui était là. Qu'est-ce qui est sorti de toi? C'est ce qu'on veut savoir. Ce n'est pas la présence qui nous intéresse. Qu'est-ce qui est sorti de toi?
esprits qui sortaient, qui s'enfuyaient, qui partaient vers la gauche, qui fuyaient même. Et ta soeur? Comme ça, elle poursuivait. Même chose. Même chose. Oui, quoi? Quoi, même chose, ça veut dire? Même esprit, elle sortait. C'était la fuite. Alors, le pasteur va s'occuper de la délivrance de la petite, d'accord? Voilà. Allez vous asseoir, que Dieu bénisse.